portée. Il pourvoira dans son immense amour à nos besoins de chaque jour. Amen. Laissons bénir ensemble. Alléluia. Il mérite qu'il nous rende gloire. Il mérite une adoration ce soir. Nous te bénissons, Seigneur. Merci encore une fois pour ce privilège. Seigneur, pour nous, les fils et les filles de Dieu, il n'y a pas le meilleur privilège que de se retrouver dans ta présence. Comme l'a dit ton serviteur David, un jour tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. C'est ce que ce soir tes enfants ont choisi, de se retrouver dans ta sainte présence. Réunis, Seigneur, autour de l'agneau, autour de la manne spirituelle, la nourriture, Seigneur, dans sa saison, autant convenable, le message de l'heure. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, malgré aujourd'hui, dans ce monde, il y a la famine, mais tu nous as donné des nourritures, la nourriture spirituelle pour nourrir nos âmes. Seigneur, nous nous rassasirons sur la parole, sur le message révélé. Ce soir, merci pour ta grâce, merci pour tous tes bien-aimés qui sont réunis ce soir dans cette salle pour te célébrer, pour te bénir, pour t'adorer. Oh, merveilleux, c'est le jubilé. Seigneur, merci pour la révélation, merci pour ton prophète, merci pour les seaux ouverts, la rédemption. Nous te bénissons. Oh, sois béni, sois loué. C'est pourquoi nous chantons, Seigneur, pour exalter le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, merveilleux, alléluia. Amen. Laisse-nous acclamer ensemble. Nous acclamons le Seigneur. Il est dit que nous l'adorons. Acclamons son Saint-Nom. Merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Nous sommes assis à la présence de Dieu. Très rapidement, les annonces avant de passer à la parole de Dieu. Amen. Le moment le plus important, ce que nous attendons, de nous nourrir avec la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes reconnaissants que Dieu, il nous pouvoir en ce temps de la fin, le message approprié. Amen. Et très rapidement, les annonces. Et le Frenda, vous profitez pour saluer eux tous, malgré qu'il n'est pas parmi nous. Et il est déjà là au Congo. Et déjà, il presse plusieurs réunions. Et en Johannesburg, à Congo, Lumumbashi. Et là, ce matin, il atterrit à Kinshasa. Pour la semaine de Pâques. Il y a beaucoup de réunions qui nous apprécient en Johannesburg, à Lumumbashi, Congo, et maintenant il y aura beaucoup de réunions à Kinshasa, et demande de prier pour lui. Amen. Nous avons toujours pensé à la prière. Et aussi concernant les réunions, n'oubliez pas, demain matin, on se revoit ici, à 10h. Amen. Avec cette convention, ceux qui étaient là, et mercredi, nous avons été bénis par le frère Harry Van Der Stel, c'est lui ce soir qui va nous prêcher la parole. Le frère Harry et son épouse qui sont à l'île Maurice. Et merci aussi pour le pasteur Ashok qui a été bienveillant et de fermer son église et d'avoir une convention mixte. C'est bien de se retrouver, avoir cette communion et autour de la parole. Amen. Dieu bénisse le frère Ashok et son église, tous ses croyants. Et le frère Harry qui est là ce soir pour nous apporter la parole de Dieu. Et demain aussi à 10h. Amen. Ça, c'est nos annonces pour cette semaine. Et n'oubliez pas la semaine prochaine, pour Péniel, on n'aura pas de réunion le dimanche matin, sur l'après-midi, la Sainte-Seine. Et aussi, pour vous dire que la semaine ensuite, nous aurons un autre invité qui nous vient de Sud-Afrique, spécialement de Durban, Verulam, le frère Diego Iredi. Vous le connaissez tous bien. Il a été là plusieurs fois. Et là aussi, je voulais remercier le frère Jo qui a été bienveillant. De vouloir avoir une réunion mixte, une convention avec le frère. Ce sera le samedi 6 avril à 4h et le dimanche 7 avril à 10h. Au fur et à mesure que nous avons des réunions, nous allons annoncer cela. Amen. Mon croix, c'est un régal autour de la parole. Mon croix, pour nous, les fils et les filles de Dieu, peine à de meilleur qui est bon Dieu, peut accorder nous, dans ce temps de la fin, de se retrouver autour le message de l'heure. Dieu nous a envoyé un prophète pour venir mettre de l'ordre dans ce monde de confusion. Amen. Nous avons reçu notre absolu, le prophète que Dieu nous a envoyé pour nous, l'épouse. Amen. Malgré qu'il a été là à la Odyssée pour condamner cette génération, mais pour l'épouse, il n'y a pas de condamnation.
Amen. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. C'est un message de restauration, un message de rétablissement pour l'épouse, pour replacer nous dans nos positions originales. Faire que chacun d'entre nous connaît nos positions et nous debout, eh bien, sur la parole, nous va vous laisser l'ennemi, eh bien, domine nous. Amen. Connaissant notre position aujourd'hui, connaissant la force qui est en nous, le Seigneur lui-même, avec ce message de restauration, de rédemption, avec, eh bien, tous les sauterelles qui nous dévoraient là-bas, c'est la restauration, nous sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous joignons, eh bien, autour de la parole, nous réjouir, nous chanter, eh bien, nous communions. Ça, c'est la grâce de Dieu, c'est un privilège. Amen. Que Dieu bénisse tous pour cela. Voilà tout comme les annonces. Et aussi, je voudrais vous dire qu'après la réunion de ce soir, pas demain, parce que les dimanches, on ne vend rien. Alors, cet après-midi, après la réunion, eh bien, dans la librairie locale, là-bas, à Laurier, les sœurs, les jeunes sœurs seront là-bas. On va mettre en vente, il y a des brochures, il y a aussi le DVD du prophète, La Profondeur, appelle La Profondeur. Il y a les chants du prophète sur eh bien, MP3, les chants de Bonnes Nouvelles, aussi les CD du message du prophète. Il y a aussi le livre pour les enfants, Maman Possum. Il y aura d'autres eh bien, DVD ou CD audio qui seront en vente après la réunion. Vous pouvez vous en procurer. Demain, vous n'en aurez pas parce que le dimanche, on ne vend rien. En profitez-en. Il y en a beaucoup. Vous pouvez voir, écouter. Ceux qui n'en ont pas, vous allez vérifier les titres et bien toutes les unités qu'il y en a et procurer. Amen. C'est un privilège. C'est une grâce. Si nous sommes dans le monde, pourquoi tous les jours, nous ne sommes pas un film sous-guidé. Amen. Nous, tout le monde, il y a une soif dans les gens qui parlent de Dieu. Même dans tout le monde, il y a une soif à l'intérieur. Nous avons l'occasion, quand je travaille dans le bazar, près de bazar, tant que je suis sorti, je trouve un tel DVD au chemin partout. Je ne passe pas les légumes, comment c'est DVD. Mettre Reling, la guerre, 4%, 3%, et la fois 2%. Un original, ce n'est pas 250, 300, 400, c'est assez. Je crois que si nous passons à la grâce de Dieu, nous nous trouvons parmi ces gens. Mais aujourd'hui, une grâce, nous avons des brochures qui passent, il y a des DVD, des chants. Prenez-en, procurez-vous. Dieu vous offre la grâce pour cela. Amen. Il y a des messages que vous n'en avez pas. Pour écouter la voix du prophète, faites-le après la réunion. Vous aurez tout cela. Amen. Dieu bénisse. Nous allons eh bien, nous mettre debout ensemble dans la présence de Dieu. Nous allons prier pour la parole. Nous allons prier, eh bien, il y a une requête qui m'est venue après là. Mais nous allons prier. Je ne vais pas donner, prendre plus de temps pour les annonces. Nous pouvons le faire aussi demain. Mais nous allons garder la place pour la parole ce soir. Amen. Je demanderai au pasteur Ashok de s'approcher, de prier pour vous. Priez pour la parole. En même temps, il y a une requête de prière. Il va prier pour ça. Amen. Merci Seigneur. Nous comptons et bientôt notre frère là avec son église, c'est bien. Priez, il y a une sœur qui appelle la sœur Roubel. Elle va prier pour son papa et son mari malade. Malade. Ok. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous vraiment reconnaissons pour le privilège de nos pères pour capable parler avec toi au travers de ce message, Père. Parce que tu ne dis, tu rencontres l'homme seulement sous le sang répandu de Jésus-Christ. Et nous savons par la révélation, Père, que le sang, c'est le message de l'heure. Seigneur, nous prions toi pour cette personne qui demande de prier pour son papa ce moment. Nous prions, Père, de toujours les jours va gérer. C'est lui qui finit toujours guéri. Nous demandons-toi, porte-lui la guérison pour ce papa, ce moment, Père. Seigneur, nous prions-toi pour le frère Nanda aussi, qui demande de prier pour lui. Puisque lui dans un pays étranger, Seigneur, il a besoin de ton soutien, de ton aide, même la santé physique et l'inspiration pour apporter la parole. Seigneur, nous remettons-lui en tes mains. Maintenant, nous remettons nous-mêmes en toi la main maintenant, et aussi le frère Ivan Destel, le frère Sidney. Et que la parole est capable de sortir, Père, et atteindre nous les cœurs. Seigneur, nous les recevons ta parole avec une compréhension spirituelle, Père. Sachant que écouter la parole sans la compréhension du Saint-Esprit, il va observer nous en rien, Père. Parce qu'il te dit à nous entendre, reconnaître et agir sur la base de la parole.
Seigneur, nous remettons-nous entre nos mains, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons ce soir saluer tout le monde. Amen. Vous dites la bienvenue. Et tous ceux qui sont à votre poste de devoir, les prédicateurs, les pasteurs, tous les invités. S'il y a des nouvelles personnes, eh bien, que Dieu vous bénisse richement. Sentez-vous la bienvenue. C'est ça, eh bien, notre message. C'est l'amour. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous prêchons Jésus-Christ libre, la liberté de servir Dieu. Cette église est ouverte. Vous pouvez venir et avoir la communion autour de la parole. Que Dieu bénisse richement. Sentez-vous libre ce soir. Et un petit chant avant de passer à la parole. Lord, we come for worship. Hallelujah. Merci. Voilà. Lord, we come to you in worship. No matter what the circumstance, no matter what the situation, we need a holy hand. Lord, you granted revelation to the bride of these last days. One seeking no sensation, just let me get out away. El Hela, El Hela, Elohim, I will long to worship you. El Hela, El Hela, El Hela, Elohim, why long to worship? El Hela, Elohim, how we long to worship. Turn your eyes upon Jesus. Hallelujah. Et le frère va s'approcher de toi. Hallelujah. Turn your eyes. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will go strangely dim in the light of his glory and grace. Vers Jésus, vers Jésus, lève les yeux. Contemple son visage merveilleux.
guériront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. The Harry would come. If your brother. God bless you. Amen. Well, praise the Lord. Gloire à Dieu. I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. Vous saluez eux encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. It's good to be here. C'est bien d'être ici. It's good that we are not looking for sensation. C'est bien qu'ils ne pas attendre des sensations. We want to look in His wonderful face. Mais EP regarde à ce visage merveilleux. And I'm glad we have seen His face in this day. Et me reconnaissant qu'il dans ce temps nous ne trouve ce visage. Amen. He shows Himself in the heaven. Il montre lui-même dans le ciel. We can see His face. Nous qu'à trouve sa face. Nobody can take that away. Personne pas qu'à retirer cela de nous. And I'm glad for that. Et me reconnaissant pour cela. For those that wasn't here last meeting, I greet you from the church in Rotterdam. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière réunion, me saluez autres de l'église de Rotterdam. From 1970 till this day, we are printing books and we are in the message. Pour ces jours-là, nous reconnaissons dans le message. We're giving out books and tapes. Nous peut distribuer des bandes et des brochures. And tracts. Et des tracts, des traités. But like Brother Branham said, there's not only books and tracts. Mais comme le frère Branham dit, ceci n'est pas simplement des traités et des bandes. It is our life that has to be seen. Mais c'est la vie qui doit être vue. The glory of the Lord has to come to His temple. La gloire de Dieu vient dans sa temple-là. And we are His temple. Nous sommes ce temple-là. May God do something for us this day. Que Dieu fait quelque chose pour nous dans ce temps. That His temple can rejoice. Que ce temple-là, il a réjoui. Because that's what I like. I'm here to worship. Parce qu'il nous vient là pour adorer. That's what I like. C'est ce qui me content. We are made to worship. Nous avons été créés pour adorer. We are here to worship Elohim. Nous sommes ici pour adorer Elohim. The Almighty One. Le Tout-Puissant. And only those that know Him. Et seulement ceux qui connaissent lui. Can worship Him. Capable d'adorer lui. Amen. Amen. You cannot worship what you don't know. Nous pas capable d'adorer ceux qui nous pas connaît. Many people in the denominations they try to worship Jesus. Un paquet de gens dans les dénominations se essayent d'adorer Jésus-Christ. But they don't know who He is. Mais je pas connais qui il était. Every denomination. Toute dénomination. Is off of the word. Je t'en déhors la parole. Everything is wrong. Je dans les rêves complètement. There's only one thing right. Et une seule qui est vraie. That's the word of the Lord. C'est la parole du Seigneur. And God sent the prophet. Et Dieu, il envoie un prophète. To reveal this word. Pour révéler cette parole. You know why I have those glasses? Je connais qui fait mon mettre sa lunette là. So that I can read. Afin qu'il me lise. Do you know why I have the prophet? Je connais qui fait mon le prophète. So that I can read the Bible. Afin qu'il me lise la Bible. He opened it for us. Il ouvre la Bible pour nous. It is a reflection of God for us. C'est la réflexion bon Dieu pour nous. I don't know you, all of you. Mais pas qu'on se tous soit. But I know when I came first time with Lucas de Beer. Mais me connais comme tu viens la première fois avec le frère Lucas de Beer. I think Lucas was second time. Moi tu viens avec lui la deuxième fois. And you know, revelation does something for us. La révélation fait quelque chose pour nous. Brother Lucas de Beer and his wife are talking in the house. Le frère Lucas de Beer avec son madame était en train de parler dans la maison. And his wife said to him, et son madame dit à lui, do you know when I read the Bible in Genesis? Tu connais quand on lit la Bible dans Genèse? I can see that Eve is an afterthought. Me trouve que Eve c'était un après-pensée, un produit, un sous-produit. Lucas said no, it cannot be. Le Lucas dit non, pas possible. The first thing when Brother Branham visited their home, la première fois qu'il frère Branham visite sa la casa, he went to Sister De Beer. Lina Albert, la sœur De Beer. And he said, Sister De Beer, do you know that Eve was an afterthought? Lydia sœur De Beer, tu connais qui Eve tient sous-produit? You see, revelation does something for us. Trouver la révélation fait quelque chose pour nous. And he said to her Sister De Beer, Lydia sœur De Beer, you look at your life back. Quand on regrette la vie, je te parle ainsi. Said you just look back at your childhood days. Quand tu regardes dans ton enfance, said you find out you have always believed in God. Tu peux remarquer que tout le temps tu crois dans bon Dieu. But you didn't know Him. Mais tu ne connais pas.
But he made a way for you. Mais il fait un chemin pour toi. So that he could reveal himself. Afin qu'il révèle lui-même à toi. That is a sign of predestination. Ça c'est un signe de la prédestination. What a great thing. Quelle grande chose. If you really have believed in God from start. Si depuis commencement tu crois à bon Dieu. And that God can reveal himself to you. Et que Dieu est capable de révéler lui-même à toi. Well, I thank brother Ashok here and his family. Je remercie le frère Ashok et sa famille ici. They take good care for us. Je peux prendre bien soin de nous. We have food enough. Nous avons suffisamment à manger. And it is wonderful to be in their home. C'est merveilleux d'être chez eux. And I didn't know he was my manager. Mon père connaît qui c'était lui mon manager. But he said I have rent you out to the people here. Mais il dit à mon prête toi ben dis mon ici. Well, God bless you, brother Ashok. Oh, frère Ashok, Dieu bénit toi. Well, the Lord is good. Oh, le Seigneur est bon. And when I am standing here on the pulpit, quand mon père debout ici à la chair, I must think on the millennium. Mon père pense sur le millénaire. Would it not be nice to be in the millennium right now? Est-ce que ce serait pas merveilleux d'être dans le millénaire maintenant même là? No cold, no heat. Pas la fraîcheur, la chaleur. No trouble. Pas de problème. No tribulation. Pas la tribulation. Oh my, just to be in the millennium and rejoicing in God. Juste en étant dans le millénaire et nous réjouir avec bon Dieu. That would be wonderful. Cela serait merveilleux. But we have to wait a little time. Mais nous bisattendons encore un petit peu. Till he changes our body. Jusqu'à ce qu'il change nous l'écho. Amen. But on the inside is something. Mais à l'intérieur il y a quelque chose. Past the millennium. Qui déjà fini traverse le millénaire. The part that is in us. La partie qui est à l'intérieur de nous. Is already in eternity. Déjà dans l'éternité. Is already in the eighth day. Déjà dans le huitième jour. And the eighth day is the beginning. Et le huitième jour c'est le commencement. Amen. Now I have already passed the millennium. Mais déjà traverse le millénaire. But his body has to follow. Mais ça l'écho là aussi vise à suivre. In another form. Dans une autre forme. May God give the change very quick. Qui bon Dieu donne nous sa changement du corps là rapidement. And I will talk this day about faith. Mais vous parlez ce soir de la foi. There's not the faith what we talk about in Pentecost. C'est pas ça la foi qui nous causait quand nous étions dans Pentecôte. If we feel ourselves good, then we think we have faith. Si quand nous nous sentons nous bien, nous pensons nous avons la foi. And if we don't feel good, we have no faith. Donc quand nous pas nous sentons nous bien, nous pensons nous avons la foi. That's Pentecost. Ça c'est Pentecôte. But we talk about something else when we talk about faith. Mais nous vous causons de quelque chose d'autre quand nous parlons de la foi. We talk about the word of God. Nous vous parlons du travail de Dieu. If you look in the ministry of Brother Branham, si je regarde dans le ministère de Frère Branham, when he started, quand il commençait, he said there was great campaigns and tent meetings. Il y avait une grande campagne et un rayon de tente. He said when the minister just come to the tent. Quand les ministres approchent vers la tente, and the believers came, et ben croyants aussi approchaient. This was in the early days. Ça c'était au premier jour. He said the shadow of a minister fell on one of those persons. Quand l'ombre des ministres tape sur un des gens, and they got healed. Ben là tu es guéri. Many things happened. Un paquet de choses est arrivé. A healing revival was there. Et il y a un réveil de guérison. And Brother Branham said, "Do you know?" Et Frère Branham dit, est-ce que je connais? The message of this hour. Que le message de ce jour-là. Is a million mile higher than those meetings there. Et c'est un million de milles plus qui sont dans le rayon là. My, the message of this hour. Le message de cette heure. Is a million mile higher than those days. Un million mille plus élevé qu'il y avait un jour-là. You know that there is a progressive revelation. Vous connaissez la révélation, c'est progressif. When I speak about the Godhead. Quand on parle de la divinité. In Pentecost. Dans la Pentecôte. I am not really knowing what I was telling. Moi pas tu connais qui moi tu peux prêcher. But when the prophet came, mais quand le prophète est venu, and he bring the word, il amène la parole, it places you somewhere. Et il place toi quelque part. You know, teaching is placing you in the word. Enseigner, c'est te placer dans l'écriture. And that's what we need in this day. C'est ce qui nous besoin en ce jour. Otherwise, we would be deceived with all the organization that's on this earth. Sinon, nous capables être séduits avec toutes ces organisations qui n'ont. Amen. Do you believe that? Est-ce que je crois cela? There are so many different religions. Et il y a tellement de différentes religions. But there is only one true religion. Mais il y a une seule véritable religion. There is only one religion that has an empty grave.
Et on a une seule religion qui a un tombe qui vide. That will have a resurrection. Qui peut amener une résurrection. And a change of our body. Et qui pouvait amener un changement de corps. There is only one religion, a good one. Et on a une seule religion, une bonne religion. That's the message of this day. Ça c'est le message de ce jour-là. If you look in the Old Testament. Si je regarde dans l'Ancien Testament. The bones of Joseph, les os de Joseph, of Jacob have to take out of Egypt. De Jacob devait quitter l'Égypte. He let them swear that they take his bones with him. Balaam fait le peuple d'Israël jurer qu'il va les os être transportés. He said, "Bring them with you to the promised land." L'Indien cela pour amène-toi vers la terre promise. Because there was no resurrection in Egypt. Parce qu'il n'y a pas de résurrection dans l'Égypte. Resurrection is only in the promised land. La résurrection se trouve seulement dans la terre promise. And Brother Branham said the promised land for the believer this day is the message of this hour. Et Branham dit la terre promise en ce jour c'est le message de l'heure. That's Canaan for the believer. C'est la nourriture pour les croyants. Because if you want to be changed from your body, si je t'en viens, je t'en changement de corps, change your religion, change ta religion, take the true religion, prends la bonne religion, la véritable take religion, take the message of this hour, ça c'est le message de l'heure, after the opening of the seals, après l'ouverture des sceaux, because then something came down in this day, parce qu'il y a quelque chose qui descend en ce jour, maybe we can just stand for the reading of the word, nous pouvons mettre nous debout maintenant pour la lecture de la parole, in the book of Revelation, n'oubliez dans le livre de l'Apocalypse, I think for my interpreter, reconnaissant pour mon interprète, I will not let him run so hard as the last meeting. Je ne vais pas vous laisser galoper aussi vite que la dernière réunion. I will do it a little slower. Je vais aller un petit peu plus doucement. Depending on the Lord. Ça dépend du Seigneur. If he said run, you run. S'il dit galoper, nous vous galoper. If he said stand, you stand. S'il dit debout, nous vous debout. Because we must be led by the Holy Ghost. Parce qu'il nous est conduit par le Saint-Esprit. We read in Revelation the second chapter. Nous lisons l'Apocalypse le chapitre 2. Verse 12. Verset 12. Let me see where I am. Allez, je cherche cette écriture. Apocalypse chapitre 2, verset 12. And to the angel of the church in Pergamos write these things, said the word, said he which had a sharp sword with two edges. I know thy works and where thou dwellest, even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name and hast not denied my faith. Even in those days when Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelt. But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Till so far. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attaché à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïques. Let's just pray. Prions. Dear Heavenly Father, Père Céleste, we just come before the mighty throne of you, Lord. Nous venons devant ton trône merveilleux. You know what everyone needs, Father. Tu connais, Seigneur, les besoins de tout un chacun. You know the secrets of the heart. Tu connais même les secrets du cœur. And I ask you, Lord, that you will take me under your control. Et me demande-toi, te prends-moi sous ton contrôle. Let me speak the right things, Father. Seigneur, ferme-moi par la chose juste. Hold my mouth before the wrong things, Lord. Seigneur, ferme ma bouche, Seigneur, aux choses méchantes. Because we only want to bring your word, Father. Parce qu'il nous laisse simplement mettre ta parole, Papa. Will you get the preeminence this day, Lord? Prends la prééminence ce jour-là, ce soir. And speak to every heart. Cause à chaque cœur, Seigneur, and ce give soir. The desires of their heart, Father. Et Seigneur, donne aux autres selon le désir de autres les cœurs. Bless also the interpreter, Brother Sydney. Bénis aussi l'interprète, le frère Sydney. And I thank you, Lord, that you will do it.
Et merci Seigneur pour tout ce qui te We ask it in your wonderful, glorious name. Nous demandons cela dans ton nom merveilleux. And maybe on the end of the meeting that we can say, was our heart not burning within us when he spoke to us along the way? Et puis-je dire à nos cœurs ne brûlait-il pas dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? We ask it all in your name, in Jesus' name. Nous te demandons cela dans ton nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. You may be seated. Amen. It's wonderful. C'est merveilleux. Just to stand in the pulpit. Juste pour être debout derrière la chair. I've never looked for it. Jamais mon aspire à cela. Some people like to be a minister. Et un paquet du monde a envie d'être un prédicateur. There's nothing against that. Mais là, non, rien contre cela. As long as there's a call from God. Aussi longtemps qu'il y a un appel bon Dieu. Because we are responsible what we say from the pulpit. Parce qu'il est responsable de ce qu'il nous dit depuis la chair. Because it is between life and death. Parce que cela concerne la vie et la mort. Because people will hang the soul on it. Parce qu'il y a un dimoun, cette âme attachée à ce qu'il nous dit. That's what a preacher have to remember. C'est ce qu'un prédicateur bizarre rappelle. When he goes to the pulpit. Quand il vient à la chair. To say the right things. Pour dire la chose juste. The things that God wants to be said. La chose qui pas bizarre dire, bizarre pas être dite. And I thank God he's a gentleman. Et moi remercie le Seigneur qu'il y a un gentilhomme. He's a wonderful God. Il est un Dieu merveilleux. I'm glad I met him someday. Me reconnaissant qu'un jour me rencontrer lui. I was thinking, I was looking for him. Me pensais que me cherchais lui. But I missed the thing what I was thinking was wrong. Mais ce que me pensais était faux. Because he was looking for me. Parce que c'était lui qui t'avait rôde moi. The desire came from him. Le désir il vient de lui. It was his desire. C'était son désir. To bring you in his presence. Pour vous amener dans sa présence. Amen. Amen. And Brother Branham said there is a difference between the church. Branham dit il y a une différence entre l'église. And the bride. Et l'épouse. Have you read that? Est-ce qu'ils ont lire ça? Then we know what time we are living. À ce moment-là, nous connaît quel jour nous peut vivre. Because when the seals went open. Parce que quand les sceaux finaient ouverts. Brother Branham said, I call you. Right now. Frère Branham dit, maintenant m'appelle l'épouse. Miss Jesus. Madame Jésus. Amen. Amen. Now we can believe that. Nous pouvons croire cela. Those that know what Brother Branham meant for the church. Ceux qui ne connaissent que Frère Branham qui peut les dire pour l'église. This was not the man that visited me. C'était pas l'homme qui me visite moi. And you saw a man. Vous connaissez, oui, c'était un homme. But when I looked through the veil. Mais comme on guette à travers le voile. Through the veil of that man. À travers le voile de cet homme-là, I saw Elohim behind him. Je trouve Elohim. The one that was calling me. Celui qui t'y appelle moi. The one that was speaking to me. Celui qui me parlait. That was a person. C'était une personne. Amen. Amen. He stood there in that prophet. Il se mettait debout là le prophète. Revealing the word to his bride. Il révélait la parole à son épouse. Amen. We are not following a man. Nous ne suivons pas un homme. And we are following a man. Mais aussi nous suivons un homme. It's a paradox. C'est un paradoxe. Amen. Amen. If you look there with Rebecca. Si je regarde Rebecca. Eliezer. He spoke to her. Il cause avec lui. Now, if she didn't follow that man. Donc si elle pas suivre ça l'homme là, Eliezer. She will never find the husband. Jamais elle ne trouve son époux. Because she was following that man to the husband. Parce qu'il devait suivre ça l'homme là vers son époux. Ah, there is a difference between the bride and Pentecost. Et même différence entre l'épouse et le Pentecôtiste. We are going to talk about faith. Nous pécons aujourd'hui sur la foi. And Brother Brian said, faith is the word of God for this day. Vraiment, dit la foi, c'est la parole de Dieu pour ce jour-ci. And if you see Rebecca, donc si je get Rebecca, she getting the gold, the rings and everything from Eliezer. Les bijoux, les bracelets en or et tout ça. That was Pentecost. Ça, c'était Pentecôtiste. She was happy about the gifts. Elle était contente des cadeaux. And that is what most people in the message even want. C'est ce qui beaucoup de gens encore dans mes messages aujourd'hui. Je t'envie. They want to go back to Pentecost. Je t'envie retourne à la Pentecôte. Pentecôtiste. The prophet said, "We have passed."
Pentecost already. Frère Branham dit, nous déjà fini, dépasse la Pentecôte. We came out of Laodicea. Nous sortis de l'Odyssée. Amen. Amen. But in the beginning, Rebecca was very happy when she looked to the gift. Mais au départ, Rebecca était tellement contente quand elle s'est sur un cadeau. But that was not the message of Eliezer. Mais ça, c'était pas le message de Eliezer. He had another message with him. Nous avons un autre message avec lui. If you could let us stand long enough still. Si nous capables debout. Then he could reveal to her the husband. À ce moment-là, il est capable de révéler l'époux. And when the time came, quand le temps est venu, to leave with this man, pour quitter cet homme Eliezer, what did the family do? Qu'est la famille dire? She said, stay longer here. L'India maintenant, mets-toi debout là. That is what the Pentecostal church will do. C'est ce qui va la Pentecôte, l'Église Pentecôtiste. Or the Catholic church. Quand nous pouvons une all denominations. Catholique, l'Église catholique ou une dénomination. Don't believe that doctrine. Je vous dis pas quoi cette doctrine là. Don't follow that man. Pas suivre cet homme là. She stay longer with us. Reste encore avec nous. They don't want you to go. Je parle toi aller. But we have to separate from everything that is wrong. Nous devons séparer de toute chose. And Eliezer said, let us ask the damsel. Eliezer donc avec ce chameau. He says, Rebecca, what do you want? Il dit, Rebecca, quitte-le. She said, I will go. Il dit, moi pour aller. She make a total separation. Il fait une séparation totale. We have to make a total separation. Nous devons faire une séparation totale. Let the old system. Avec l'ancien système. Die to ourselves. Nous devons mourir à nous-mêmes. And follow the living God. Et nous devons suivre le Dieu vivant. What's revealed in the word for this day. Qui vient révéler dans la parole en ce jour. You see, the scripture says. Je connais l'écriture dire. It is not our faith. Que c'était pas la foi. The Bible says you have not denied my faith. De pas n'a renié ma foi. This was the faith of the Lord Jesus Christ. C'était la foi de Jésus-Christ. That is what we not denied. C'est ce qui nous pas renié. It's not our faith. C'était pas nous la foi. It is his faith. C'était seul la foi. What he placed in you. C'est qu'il mettait dans toi. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But we have something here. Mais nous on a quelque chose ici. What faith is? Qui la foi était? It is something what is revealed to you. C'est ce qui a été révélé à toi. Faith is a revelation. La foi, c'est une révélation. When I was in Pentecost, comme tu dans la Pentecôte, the pastor told me, le pasteur dit à moi, in the garden of Eden it took fruit. Dans le jardin d'Éden, Malène mange fruit. I didn't know the Bible. Moi pas je connais la Bible. And maybe I don't know him still. Peut-être qu'il m'a ce qu'as aujourd'hui moi pas connais. But I know the one that wrote the Bible. Sorry. I know the one that wrote this Bible. Mais moi connais celui qui l'écrit à la Bible. And when he told me what happened in the Garden of Eden, donc, mon pasteur n'y a pas ce qui est arrivé dans le jardin d'Eden. I have a problem to believe him. Moi, j'ai un problème pour quoi, lui? Because something inside of me. Parce que quelque chose à l'intérieur de moi. That is not the truth. Tu peux dire moi, ça pas vrai. Why the word correct the error? Pourquoi? Parce que la parole corrige l'erreur. And the bride is a part of the word of God. Et l'épouse est une partie de la parole de Dieu. And I went away and I had a problem. Et donc comme on allait, on a un problème avec ça. I could not say that he was lying. Moi pas tu qu'as dit il peut cause mentir. But inside another person said that's wrong. Mais à l'intérieur de moi quelque chose, tu peux dire ça fausse. As I went home. Donc on est à la case. Then came back to church après again. Après on revient à l'église. Then we talk about serpentine. Après une cause à ce moment du serpent. Oh my. Oh. And he told what happened in the Garden of Eden. Oh, il dit, tu connais qui est arrivé dans le jardin d'Eden. And then the voice said, that's not true. Et donc la voix me dit, oh non, c'est pas vrai. And I went home in trouble again. Et on retourne à la case troublé encore. And I was praying. Et moi je me priais. Then I was glad. Et après, moi, tu reconnais ça. I get the book of the prophet. Vous recevez une brochure du prophète. Seven church ages. Sept âges de l'Église. And I was reading about serpent seed. Et moi, tu peux lire à propos de la semence du serpent. Revelation let me jump. La révélation me fait moi sauter. That was faith. Ça, c'était la foi. A revelation. Et une révélation. I jump up and said, thank you, Lord. Mon sauté, mon Dieu, merci, that Seigneur. That is the truth. Ça, c'est la vérité. It is the word. La parole. Agreeing with the word. Et tombe d'accord avec la parole. Amen. Amen. I knew what serpent seed was. Moi, tu me connais, c'était quoi la semence du serpent? Then I read about predestination. Et après, mon livre concernant la prédestination. My pastor didn't believe it. Mon pasteur, pas tu crois ça? But something on the inside said, that's the truth. Mais quelque chose à l'intérieur.
vérité, io ti prediamo, ça c'est la vérité. I believe predestination. La prédestination. Hallelujah. Hallelujah. Then I came to the baptism. Après mon venu baptême. The Bible says we must be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. La Bible dit nous vous êtes baptisés dans le nom du Seigneur Jésus Christ. Oh, my pastor said there's not so much trouble with that. Mon pasteur dit non, pas aucun trouble avec ça. We do it in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Nous faisons dans le nom du Père, Fils, Saint Esprit. That did it ring in my heart. Cela baptisme correct dans mon cœur. Something stopped it. Quelque chose inarrête cela. And then when I read the brother Brennan said how you have to be baptized. Et comme lire frère Branham il dit obligé de baptiser. I jumped up again. Mon ressauté encore. I said that's the truth. Et Dieu c'est la vérité. The word coming to the word. La parole vient avec la parole. It change you. Change-toi. It make you free. Libère-toi. The word make you free. La parole rend-toi libre. He that the Son has made free. Celui qui t'a franchi est libre. Free indeed. Est réellement libre. Now when we talk about si the le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. When we talk about the Son, quand nous parlons concernant les chants, we always think on the man that went to Calvary. Nous pensons toujours à cet homme qui l'a localisé quand nous parlons à propos du Fils, n'est-ce pas? But that Son didn't make me free. Mais cela, ce fils-là, pas libère-toi. He only paid the price. Il juste paye le prix. To set me free to go home. Pour rendre-toi libre, pour amener-toi à la case. To my inheritance. Vers mon héritage. But when we talk about the Son. Mais quand nous parlons à propos du Fils. We look here to Elohim, the great fountain of life. Nous peguons vers la grande fontaine de vie. Is that so? N'est-ce pas? You that know the message, know this. Je pas tu connais le message? Then brother Brian said, from out of this eternal fountain came the Logos. Frère Branham dit, de cette théophanie, le Logos est sorti. What did he call that? Comment il appelle-lui? The Son. Le Fils. It was the Word. C'était la parole. It was the Son. C'était le Fils. There's who that the Son have made free. Qu'est-ce que le Fils in rend libre? Is free indeed. Ce que le Fils in a franchi est réellement libre. It only has to be revealed through the man that was walking in flesh. Cela doit simplement être révélé à travers cet homme. Amen. Qui marchait en chair. And I'm so glad for that, you see. Et moi je suis tellement reconnaissant pour cela. Many people come in trouble because of the Godhead. Un paquet de monde troublé à cause de la divinité. I'm glad that we may know him now. Moi reconnaissant qu'il maintenant nous connaît. In the power of his resurrection. Dans la puissance de sa résurrection. And what is revelation doing? Et c'est qu'est-ce que la révélation fait? It set us free. Il rend nous libres. Is that so? N'est-ce pas? If it was not so, you was not here. Si c'était pas le cas, vous êtes pas chez vous là aujourd'hui. You were still in under the religion. Vous êtes pas encore dans cette bande religion. But something let you recognize. Mais quelque chose il fait toi reconnaître. What God was doing on the earth. Qui Dieu tu peux faire l'eau la terre. He was sending a man. Et il envoie un homme. To cut us free. Pour rendre nous libres. From all kinds of religions. De toute nouvelle religion. To bring it to the true living God. Pour amener nous vers le vrai Dieu vivant. Hallelujah. Hallelujah. Brother Branham said. Frère Branham dit. When he gave a revelation to Simon Peter, quand il donne la révélation à Pierre, Simon Pierre, he is to Jesus. Il va là Jésus ben debout. And what did he say? Qu'il dit? Blessed art thou, Simon, son of Jonas. Béni sois-tu, Simon, fils de Jonas. Flesh and blood never revealed this to you. La chair et le sang ne révèlent toi ça. What did Peter say? Qu'il peut dire? Thou art the Christ. Tu es le Christ. The Son of the living God. Le Fils du Dieu vivant. Is that so? N'est-ce pas? What did Jesus say? Qui Jésus dit? The man. Cet homme. The man in flesh. L'homme dans la chair. He said flesh and blood. Il dit la chair et que le sang. Didn't reveal this to you. Pas ne révèle-toi ça. Not the flesh of Jesus. Pas la chair de Jésus. Reveal this to Peter. Il révèle cela à Pierre. I hope you're with me. Est-ce qu'ils sont avec moi? It was the spirit of Elohim. C'était l'esprit de Elohim. In the man Christ Jesus. Dans l'homme Christ Jésus. Amen. Amen. He said, "Flesh and blood has not revealed this to you." Il dit la chair et que le sang ne révèle toi ça. But my Father. Mais c'est mon papa. Amen. This is in heaven. Qui dans le ciel. He has revealed this to you. C'est lui qui ne révèle toi ça. Amen. Amen. Jesus had a Father. Jésus tient un papa. Is that so? N'est-ce pas? I hope we can understand. Moi, j'espère que je comprends. These revelations break us free from the denomination. Sa révélation là libère nous de la dénomination. Jesus had a Father. Jésus tient un papa. Jesus had a beginning. Jésus tient un commencement. You know what the Pope said is elected right now? Je connais que sa pape qui vient d'être élu là qu'il dit. He was very clever. Il était très intelligent. He was humble. Il était humble. He said, "People, before I take the task." Il dit, peuple, avant qu'il me prenne la tâche. Can you pray for me? Est-ce que je peux prier pour moi?
that touch the hearts of the people. Cela touche les cœurs des gens. Oh, they can pray for the Pope. Je peux prier pour le pape. And then he start to pray for them. Après, il commence à prier pour Bana. He said that the first thing we're going to go doing now. Il dit la première chose qu'il faut faire maintenant. Is praying to Mary. Vous priez la Vierge Marie. A spiritist. Du spiritisme. Amen. Amen. Because you can never pray to the dead. Parce qu'il ne peut pas prier un démon qui meurt. And they call Mary the mother of God. Et je t'appelle Marie la mère de Dieu. Can you tell me how old God is? Je veux dire mon bon Dieu qu'il a âgé. Then I want to know how old Mary is. Là, moi, vous connaissez qu'il a âgé Marie. You see, we have to get free from the denomination. Vous trouvez que vous êtes libéré de ma dénomination. We have to get delivered from those ideas. Nous devons être délivrés de ce mal-lité. Amen. I was in Rome. In the Vatican. The Vatican, là-bas. And they make new tools on the statue of Peter. Je dis me faire ma petite statue de Pierre. I think Peter gets very tired of the kissing of his feet. Pourquoi Pierre est fatigué, mais il embrasse sur les pieds. Amen. They have to renew the tools every time. Je dis me renouveler la statue à chaque fois. Amen. An idol worship, and it is brought in by a system. Et ça, il est amené par un système. Now, if we have not the right revelation about the Godhead, si tu n'as pas la révélation appropriée concernant la divinité, we become idol worshippers. Nous devenons idolâtres. There was a man. He came to me. Un homme, il vient vers moi. And I asked him. Me demande-lui. To whom do I pray in the millennium? Qui s'en a pour prier dans le millénaire? Can you tell me who's on the throne? And he's a message believer. C'est un homme du message. He didn't have an answer. Il n'a pas une réponse. He had an answer on everything, not on that. Il a une réponse pour tout quelque chose, juste non ça. I said, you see, because I want to know who I must worship. Modjeli, tu connais parce que moi, j'ai envie de connaître qui ça n'a pas besoin de connaître. But I'm glad for Brother Branham. Mais moi, reconnaissant que frère Branham. He comes with a message, future home. Il vient avec le message de la demeure future. He said, the Son, Jesus, will sit on the throne in the millennium. Il a le Fils, Jésus-Christ. Hallelujah. Hallelujah. He said, and the Father will hover over him. Et il dit le Père pour au-dessus de lui. He said, and Jesus sit on the throne like Joseph. Et Jésus passe sur le trône comme Joseph. You can never reach Elohim without Joseph or Jesus. Tu n'es pas capable de joindre Elohim pareil comme Joseph. Can we see the types? That you can never see Jesus, never see the Father except you first see Jesus. Tu n'es pas capable de trouver le Père si tu n'as pas trouvé Jésus d'abord. Because Joseph in the Old Testament was a type. Parce que Joseph dans l'Ancien Testament était un type. You could never come to Pharaoh except to come to Joseph. Tu n'es pas capable d'aller vers Pharaon sans te passer par Joseph. Amen. Amen. Brother Branham said, "Do you know?" Frère Branham dit, est-ce que tu connais? That God is not one like your finger. Qui bon Dieu n'est pas un comme tes les doigts. That stumbled me before. Cela c'était une pierre à choc moi pour moi avant. But when you dig into the word, mais comme on creuse dans la parole, you start to see. Là tu commences à trouver. And if you have the Holy Ghost, et si tu as le Saint-Esprit, we can accept revelation. Nous capables d'accepter révélation. You see, de trouver. Brother Branham said. Frère Branham dit. God is not one like your finger. Bon Dieu n'est pas un comme tous les doigts comme ça. You cannot put it in the garbage can. Tu n'es pas capable de mettre dans le taux. You must notice what he is saying. Tu dois écouter ce qu'il peut dire. Because it helps us. Parce que cela aide nous. Because we are, if you are an idol worshipper, si tu es un adorateur d'idole, we are not going in the rapture. Nous ne pouvons pas dans l'enlèvement. Thus, he takes only the word in the rapture. Juste la parole qui parle dans l'enlèvement. Brother Brent said, only perfection goes in the rapture. Madame dit, juste perfection qui parle dans l'enlèvement. And to be perfect, you have the perfect word. Donc pour être parfait, nous misons dans la parole parfaite. He said, open this rock, I built my church. Il dit, sur cette pierre, ce rocher, mon église, mon bâtiment, mon église. The true revelation of the word. Sur quoi? La véritable révélation de la parole. There's a true vine again. Et il y a un véritable pied de nouveau. Able by faith.
Abel par la foi. Amen. Amen. If you look to Cain, quand on regarde Cain, you will see it still in all the denominations. Il y a un type de toutes les dénominations. He bring the nice flowers to the pulpit. Il amène ben jolies fleurs à la chair. Nice things, the fruit. He brings it to the pulpit. He set it there. Il amène ben jolies fruits à la chair. That is his offering. Ça c'est son offrande. He said, if God had accepted or not, it's not my business. Il dit si bon Dieu pas accepté cela, cela pas mon problème. That's the reason he is serpent seed. C'était la semence du serpent. But Abel by faith. Mais Abel par la foi. Cain didn't listen to God. Cain il pas d'écoute bon Dieu. But Abel by faith. Mais Abel par la foi. Had a more excellent sacrifice. Il tient un sacrifice plus excellent. He was killing a little innocent lamb. Il tient tuer un agneau innocent. Looking to the Lamb of Calvary. Il tient guette vers l'agneau du Calvaire. Hallelujah. He knew it was a blood sacrifice was needed. Il tient connaît qu'il tient besoin de sacrifice du sang. Amen. And we only can come by revelation. Et nous nous venons simplement à travers la révélation. You said it wasn't a revelation. Te dire, c'était pas une révélation. What is faith? Qu'est-ce que c'est que la foi? Faith is something that's revealed to you. La foi, c'est quelque chose qui n'est révélé à toi. That is not yet. Qui pas encore. But you believe it will be. Mais qui te croit sera. Faith is a revelation of the will of God. La révélation est. La foi est une révélation de la volonté de Dieu. It is by revelation. Donc c'est par révélation. You know, in the beginning when Jesus was in the faith. Tu connais au commencement. I didn't know about all those things. Comme pas tu as connu dans la foi, moi pas tu as connu ça manque de choses. And I had an attitude. Moi j'avais l'attitude. That when a child was sick. Quand un enfant est malade. I thought, well, it's a child sickness. Donc c'est une maladie d'enfant. Is that not what we all thought in the beginning? C'est pas tout ce qui nous y croit nous ici. Oh, it's a child sickness. Oh, c'est une maladie de. He will get over it. Les enfants qui ne peuvent pas s'attraper. And I came by my sister-in-law. Après mon arrivée, ma belle-sœur. And her son was very ill. Et tiens, ce garçon qui est malade, très malade. And he had all red spots over his whole body. Tiens, la rougeole partout sur les corps. And a high fever. Et avec la fièvre. And I thought, oh, there's a child sickness. Oh, moi j'ai ça, c'était une maladie d'enfant ça. God was not agreeing with me. Bon Dieu, pas tu d'accord avec moi. A voice spoke on the inside. Et la voix une cause en moi de l'intérieur. He said, what child sickness? Il dit, qui maladie des enfants? Every sickness is an oppression of the devil. Chaque maladie c'est une oppression du diable. I said, sorry, Lord. Moi j'ai Seigneur, pardonne-moi. I lay my hand to the child. Me pose les mains sur l'enfant. Was healed on the spot. Et il était guéri sur le champ. That's what revelation does. Ça c'est la révélation. It sets you free. Li libère toi. It places you in another dimension. Li met toi dans une nouvelle dimension. It lets you know that God is present. Li fait toi connaître que bon Dieu est présent. Hallelujah. That's what we need, brothers and sisters. C'est ce que nous besoin, frères. We must not hope that He heals us. C'est pas l'espérance qui nous guérit. If we are sick, we must know that He heals us. Si nous malades, nous besoin connaître qu'il guérit nous. And then when you have prayed. Et quand nous prions, and ask the Lord, nous demandons bon Dieu, the supplication, avec des supplications. Then on the end it says, with thanksgiving. Et après à la fin nous dit avec action de grâce. When you say thank you Lord, quand nous disons merci Seigneur, it means that you have received it. Ça veut dire qu'il t'a déjà recevoir. Then it doesn't matter what happens anymore. Donc après cela va faire aucune différence you qui est arrivé après. You know it from eternity. Tu déjà connais de l'éternité. I had my child in the hospital. Moi j'ai mon gosse, mes enfants dans l'hôpital. And it was dying. Il était mort. Amen. And the doctor was a little late to help. Et le docteur était un peu en retard pour aider nous. And I was on my job in the harbor. Et moi j'ai travaillé dans le port. And my brother-in-law came. Et mon beau-frère est venu. And he said you must quickly go to the hospital. Your wife is already there. Il dit moi tu dois aller rapidement à l'hôpital, ton madame est déjà là-bas. And he said you can take my car. Il dit tu peux prendre mon auto. He said first bring me to my home. Il dit d'abord amène-moi à la case. He said you must go to the hospital. Il dit moi tu dois aller à l'hôpital. He said bring me first home. Lidia moi, amène-moi d'abord la case. Arrive la case, mon Dieu. You know, God has everything under control. Bon Dieu, il a tout sous contrôle. If I'm on time or not on time. Si moi l'air ou mieux pas l'air. Is everything in His hands. Tout vient dans son main. And I start praying. Et moi commence à prier. And I was just praying. Et donc moi commence à prier. And I said, Lord, moi dis, Seigneur, you hear me? Tu m'écoutes moi? I know. Moi connais. I said, now.
If you want to have my son, si tu voulais prendre mes enfants, his name was Samuel. Ce nom était Samuel. Means you have, we get it from the Lord. Nous gagnons, qui veut dire, mon recevoir lui du Seigneur. You have le nom given de Samuel, to me. Donne, donne-moi lui. If you want him, you can have it. Si tu les reprends lui, tu es capable de répondre. But I want you to tell it within 5 minutes. Mais moi, te dis à moi cela dans 5 minutes. Because you can answer very quick. Parce qu'il me connaît, tu es capable de répondre très rapidement. So if you don't tell me within 5 minutes, donc si tu pas dis à moi cela dans 5 minutes, I believe that you have healed him. Moi crois donc qu'il t'a guéri lui. And I waited. Et donc moi attends. And I took my watch. Et moi prends mon montre. I waited for 5 minutes. Moi attends 5 minutes. No voice. Pas de voix. I said thank you, Lord. Moi dis merci, Seigneur. For the healing. Pour la guérison. I went to the door. Moi là. And the neighbor came. Et le voisin venu. Said how is it with Samuel? Lui dit moi qui manière Samuel? I said very good. Moi dit très bien. I came to the hospital. Moi allé à l'hôpital. My wife was walking up and down. Moi madame tu peux marcher faire les 100 pas. And I said Anne. Moi dit Anne. She said he's still in coma. Lui dit elle est toujours dans le coma. I said come here. Moi dit viens ici. We just prayed. Nous y prions. I said Lord let him just come out of the coma right now. Moi dit Seigneur fais-le sortir dans le coma. À l'instant même. Prayer finished, the doctor came out. La prière terminée, le docteur est venu. I said, and doctor, he said he just came out of the coma. Le docteur est venu, il fait sortir dans le coma. He's okay. Il va bien. You know, we have a living God. Je connais, nous avons un Dieu vivant. Thank God at his word. Merci pour sa parole. He will do the same thing. Il va faire la même chose. But now we talk about faith. Maintenant, nous parlons de la That's foi. The word of the Lord. Donc, c'est la parole de That's Dieu. A revelation. C'est une révélation. The message is a revelation. Le message, c'est une révélation. The rapture is a revelation. L'enlèvement est une révélation. Amen. It is faith that will take us away from this earth. It is faith that takes us away from this earth. C'est la foi qui tire nous de l'église. Faith is a revelation of the will of God. La foi est une révélation de la volonté de And Dieu. And the churches today don't even believe in spiritual revelation. Et l'église aujourd'hui ne pas même croire dans la révélation spirituelle. They believe in a dogmatic teaching of some system. Je crois dans l'enseignement des dogmes d'un système quelconque. That's Balaam and Balak. Comment Balaam et Balak? They're a system. Ze tient un système. They brought everyone together. Je t'amène tout du monde ensemble. We are all family. Nous tous nos familles. That's a lie of the devil. C'est un mensonge du diable. Amen. Amen. Brother Branham said, "We are not all the same." Frère Branham dit, nous pas tous pareils. Amen. The bride is different. L'épouse, elle est différente. Hallelujah. Hallelujah. We must accept revelation. Nous devons accepter la révélation. You see, it is a progressive revelation. Vous voyez, la révélation est progressive. What I know today, I didn't know before. Ce qui me connaît aujourd'hui, moi pas te connais avant. But if he is continuing to go on that revealing, donc si tu continues à avancer dans la révélation, I have to follow. Donc tu obéis à suivre. Do you know that when we come here on the end on this earth, je connais quand nous venons ici à la fin. Then we think we know everything. Nous pensons nous connaissons toutes choses. Brother Branham said in the church his book. Frère Branham dit dans le message c'était de l'église. Then we are just on the beginning. Il dit maintenant quand nous venons accepter le message, we c'est juste le commencement. We need eternity to unfold his being to us. Nous disons que l'éternité renforce ses pensées dans nous. And all our unanswered questions will be answered there. Toutes nos questions et nos réponses seront données là-bas. I'm glad there is something waiting. Moi, reconnaissons qu'il y a quelque chose qui m'attend. We get some more good meetings on the other side. Nous pouvons gagner encore une très très bonne réunion. Hallelujah. Okay, hallelujah. We must believe in spiritual revelation. Nous disons quoi dans la révélation spirituelle? Not in a dogmatic teaching. Pas dans des enseignements des dogmes. Hallelujah. Dogmes. We must believe in revelation. Nous devons croire dans la révélation. A revelation is faith. Et la révélation c'est la foi. He said the rapture is a revelation. L'enlèvement, c'est une révélation. He said it will be revealed to you. Il dit cela sera révélé à toi. How do I get out of this body? Comment est-ce qu'il me sortit de cette école-là? It must be a revelation. Ça doit être une révélation. And Brother Branham said one day. Branham dit un jour. You will find. Tu pourras trouver. Where it is written. Que c'est un retour. Have you ever come? A return. One day, un jour, you will find trouver where it is written. Écoute ça, cela est écrit. Oh my, does it is in the message? Écoute ça dans le message.
You have to find the change of the body. Tobisa trouve le changement du corps. And the rapture in the message. Et l'enlèvement dans le message. We have almost the whole message in book form. Nous avons maintenant presque tous les messages en type de brochure. And it lays in the message. Et c'est quelque part dans le message. Amen. Amen. I hope you can understand what I'm telling. J'espère que vous comprenez ce que je vais dire. Brother Branham is talking about. He said, "Do you know?" Paul Elijah, est-ce qu'il te connaît? In the message, Christ the mystery. Qu'il dit dans le message, Christ le mystère de Dieu. All my messages. J'ai dans tout mon message. What I have preached. Qui m'ont prêché? 1100 and so much. Mais 1100 quelques messages. He said, "It's all in this message." Tout se trouve dans ce message. Christ, the mystery of God revealed. Dans le message, Christ, le mystère de Dieu révélé, toutes ces 1100 messages-là trouvent dans ce message-là. If you miss something, si tu ne manques quelque chose, go back to this message. Retourne vers ce message, Christ, le mystère de Dieu révélé. Everything is in the book. Trouve tout dans ce message-là. What is he talking about? Qu'il y peut dire? Christ is that mystery. Christ est ce mystère. People are looking for the seals to be opened. Van Dimon peut être le seau ouvert. They don't hear what the prophet said. Ils n'ont pas écouté ce que le prophète dit. Christ is those seals. Il dit Christ sont ces seaux. Est ces seaux. They are open. Elles sont ouvertes. He is those seals. Christ, c'est Christ ces seaux. He said before Moses had the law. Il dit avant Moïse avait la loi. On the mountain. Sur la montagne. He said Christ was there. Mais Christ était là. He said the seals was there. Les seaux étaient là. Because Christ is the seals. Parce que Christ, c'est ça les seaux. We are so complicated in our mind. Nous sommes tellement compliqués dans nos pensées. But it is so simple. Mais c'est tellement simple. If God don't make it simple, I would never be in. S'il est pas si tellement simple, jamais moi tu pourrais ici. I had no big education in schools. Moi pas une grande éducation à l'école. I have no doctor's degree. Moi pas n'a de degré de doctorat. But I'm glad that God don't take only wise men in heaven. Mais moi content qu'il bon Dieu pas prend juste des gens qui intelligents dans le ciel. He took some ignorant and unlearned men also. Il prend aussi des ignorants. Amen. Are you not happy? Est-ce que tu vas content? That give me a chance. Cela donne-moi une chance. I don't have to go to school to learn theology. Moi pas besoin d'aller à l'école à apprendre théologie. I must not go to a missionary school. Moi pas besoin d'aller à l'école missionnaire. I must just become a son of God. Moi juste devenir un fils de Dieu. And then God can talk to you. Et bon Dieu qu'à cause avec toi. And if He wants you to do something, He will tell you. Et s'il a envie qu'il te fasse quelque chose, il peut dire toi. Because God is a living God. Parce que nous bon Dieu c'est un Dieu vivant. Alléluia. Il est capable de causer. He talks to you. Il cause avec toi. He likes to talk to everyone. Il compte causer avec nous tous. Brother Branham said in the old days. Brother Branham dit dans les anciens jours. He said the people say God spoke to me. Ben dis-moi tu veux dire bon Dieu cause en moi. He said in this day. Il dit en ce jour-ci. It's a very rare thing to hear that. C'est très rare pour entendre ça. You don't hear so much God spoke to me. Nous pas tant dis-moi dire bon Dieu cause en moi. I'm glad they can say God speak many times to me. Moi reconnaissant mon cas dire bon Dieu cause en moi beaucoup de fois. That is what we need. C'est ce qui nous besoin. He is your heavenly Father. Lui nous Père céleste. Hallelujah. Hallelujah. He thought on me here. Lui pense à moi ici. J'étais dans sa pensée. If I was in his mind there, si mon parti dans sa pensée ici, he thinks on me here. Li parti pour mettre moi ici. He can never lose you. Li pas capable perdre toi. If you are a part of him, parce que tu es une partie de lui. And if you are a part of him, et si tu es une partie de lui, you are the word expressed. Dans la parole exprimée. Just an attribute of God. Tu es un attribut de Dieu. Like I said last time. Comme on dit la dernière fois. This Bible. C'est la Bible. We was this Bible. Nous étions cette Bible. Before it became a book. Avant que ça la Bible vienne lire. We was this Bible. Nous étions cette Bible. Everything was here. Tout était ici. Amen. Amen. God is not a book. Nous êtes le livre. Adam didn't walk with a book under his arm. Alors nous marchons avec nos livres ici. And God took a book. Et bon Dieu prend le livre. He took all what in Adam was all the life, the germs. He took it out of him. Tout ce qui était Adam, il tire cela all Adam. The genes of God, he took out of him. Toutes les gènes de Dieu, il tire de lui. That was the book. Ça était le livre. And the second Adam has to come. Et le deuxième Adam aussi devait venir. To take that book. Pour prendre ce livre. Hallelujah. Amen.
And we are all in that book. Et nous sommes tous dans ce livre là. We are that book. Nous sommes ce livre. Sitting here on the chairs. Et assisés ici dans ces. We must get that revelation. Nous devons recevoir cette révélation là. That we are here for this purpose. Qui nous ici pour un but. We are a part of the book of Revelation. Nous sommes partie de du livre de la révélation. Can we believe it? Est-ce qu'il te qu'à croire cela? That is what we must believe. C'est ce qu'il te bise à croire. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You have not denied my faith, the scripture said. Tu n'as pas renié ma foi, la Bible dit. Ephesians said, because faith is not of you. Ephésiens dit parce que la foi pas venue de toi. It is a gift from God. C'est un don de Dieu. He has placed it in you. Il met-lui dans toi. Before you even knew. Avant même qu'il te connaît. Brother Branham said, the future home. He said, before you was in this body, you was already saved. Oh my brother. Oh. You tell that in the denomination. Oh là là, dis ça dénomination. They kick you out of the door. Because you must go on your knees and tell all kinds of things what Jesus did. What Jesus did, he brought me back. All what Jesus did was the Father working in him. Tout ce que Jésus fait, c'était le Père qui te travaille dans lui. And even Jesus could not give the revelation to Peter. Même Jésus, pas tu qu'a donné sa révélation là, Pierre. It was the Spirit in him that gave the revelation. C'était l'Esprit qui t'a été en lui qui nous donne lui sa révélation. God speaking from a vessel. Bon Dieu parlant d'un canal. Do you know that Jesus was born the Word? Tu connais que Jésus était né, parole. He started as a baby. Il commençait comme un petit baba. He cried like any one of you. Il pleurait pareil comme n'importe qui s'en a ici. He was hungry and he was thirsty. Il était pégain, faim, soif. And he grew up. Et il grandit. When he was 12 years old. Quand il était à l'âge de 12 ans. He could teach those Pharisees something in the temple. Il était enseigné par les pharisiens dans le temple. Because he was born the Word. Parce qu'il était né parole. We bypassed the theophany. Contourne-nous théophanie. We came from the attribute. Nous sortions attribut. To the flesh. Pour venir dans la chair. And we missed the theophany. Et nous quittons théophanie. That is what Jesus went in his theophany. Mais Jésus n'allait dans ce théophanie. Amen. Amen. That's the reason Jesus knew all everything. Parce que c'est pour la raison que Jésus lui dit tout quelque chose. But we bypassed this. Mais nous contournons ça. And came in flesh. Nous venons direct dans la chair. Amen. Amen. And we had the seed laying in us. Mais la semence en nous à l'intérieur. And one day. Mais un jour. A clear trumpet sounded. Et le son d'une trompette sonnait. And it took the darkness away from me. Il enlève les ténèbres de moi. And it let me know who I was. Il fait moi connaître qui je suis. And it said, Father, I'm coming home. Et là, me dit, Père, je retourne à la maison. And now go on with Jesus. Et là, Jésus est là. He was growing up till he was 30 years old. Donc, il était petit, grandit jusqu'à l'âge de 30 ans. And what happened? Qu'il arrivait après? He had to go up to the Jordan. Les bizarres allent vers le Jourdain. And what happened in the River Jordan? Qu'il arrivait dans la rivière Jourdain? This person. Cette personne came in the flesh body. Il vient dans la chair humaine. Is that so? N'est-ce pas? You know the message? Je connais le message. If I say something different, I'm not planning that. Si je dis quelque chose de différent, c'est pas God forgive me, ce qui m'ont planifié, pardonne-moi. I'm just in the message. Mais je vais juste prendre ce que le message dit. There he was baptized. Et ici, il était baptisé. And the fullness of the Holy Ghost came in him. La plénitude du Saint-Esprit vint dans lui. Is that so? N'est-ce pas? Then he went to Calvary. Et après, il allait vers le calvaire. And he paid the price. Il paye le prix. Now we have seven church ages. Donc après, nous avons 7 âges de l'Église. I do it simple. We have a son of man here. Nous faisons le simple, nous avons le fils de l'homme ici. What is the son of man? C'est qui le fils de l'homme? There's a prophet. C'est un prophète. It was Jesus Christ. C'était Jésus-Christ. It was in the form of a prophet. Il était dans la forme d'un prophète. In the church ages. Dans les âges de l'Église. He was the Holy Ghost. Il était le Saint-Esprit. Because he was not in the body. Parce qu'il est parti dans son corps. Then after the body, after the church ages. Après les âges de l'Église. Son of man again. Les revient fils de l'homme. What was that? C'était quoi? I sent you William Marion Branham. M'envoie-toi William Marion Branham. Amen. Amen. Before the great and terrible day of the Lord. Avant le jour terrible du Seigneur. You will see Luke 17, 26 to 30. De Boutrou, Luc 17, 26 à 30. The Son of Man revealed. Le Fils de l'homme révélé. I ask a question. Me pose une question. Who was here in this person? Qui était dans cette personne ici? You know that? Je connais.
That was this person. C'était cette personne. Who was in this person? Qui s'en a-t-il ici là? That was this person. C'était toujours cette même personne. And he said, the son in the east. Il dit, le fils à l'est. Is the same son in the west. C'est le même fils qui vient à l'ouest. It's the same person that was here. C'est la même personne qui dit à l'est ici. Operating on this side. Qui peut opérer ici de l'autre côté. We have seen more than God. Nous trouvons plus. We have seen more than a man. Nous trouvons plus qu'un homme. We saw Elohim unveiled in a man of flesh. Nous trouvons Elohim voilé dans la chair humaine. The same light from the east. La même lumière de l'est. It's the same light from the west. C'est la même lumière de l'ouest. Amen. Amen. We need the faith of the Son of God. D'obéir la foi du Fils de Dieu. It has to fall in the heart of a man. Qui bisait tombe dans le cœur de l'homme. The faith of the Son of God. La foi du Fils de Dieu. This is the Son. Ça c'est le fils. Because a man cannot fall in a man. Parce qu'un homme pas qu'à tomber dans un homme. You're with me? Je d'accord? Amen. The faith of this son of this son. La foi de ce fils là. This was the son of God before he came in flesh. Il était le fils de Dieu avant de venir dans la chair. This faith fell in the heart of this son of this man, son of man. Ça la foi là tombe dans l'écho ça. La chair ici là. Was the same son in the son of a man Jesus. C'est la même foi qui dans la chair because de l'homme Jésus. It was the same spirit. Parce qu'il c'était le même esprit. That we met in this end time. Qui nous rencontrait dans that's ce jour de la fin. That's the reason the prophet could say. C'est ce que le prophète, c'est pour ça le prophète pouvait who dire. Who is this Melchizedek? Qui est ce Melchizedek? He said that is that great eternal person. Il dit ça, c'est ce grand personne éternelle. That's the one we met in this day. C'est celui qui nous rencontrait dans ce jour-ci. That's the reason the denominations. C'est pour cette raison que les dénominations. They go through the tribulation. Je t'allais à travers la tribulation. The foolish virgin go through the tribulation. Les vierges folles allent dans la tribulation. Why? Pourquoi? Brother Branham said they are not all the time under the word. Frère Branham dit parce qu'ils ne sont pas tout le temps sur la parole. Or under the blood. Ils n'êtes pas tout le temps dans le. And he speak in the invisible union. Dans l'idée ça dans le message. L'union invisible. Bleeding, dropping word of God. La parole de Dieu saignante. This message is the bleeding, dropping word of God. Ce message c'est la parole de Christ saignante. And the foolish virgin is not constant under that blood. Et les vieilles folles n'êtes pas tout le temps sur cette parole saignante. Or revealed word. La parole révélée. I hope you're still with me. Vous espérez être avec moi. Amen. Now you're looking at Matthew. Maintenant nous lisons dans Matthieu. About the wise and the foolish virgin. Nous guettons les vieilles folles et les vieilles sages. Now what happened when the voice came to in midnight? Qui n'est arrivé quand la voix venait à minuit? Behold, the bridegroom came. Oh, voici l'époux qui arrive. Now where was John the Baptist? Quand Jean Baptiste était. He said, he that has the bride is the bridegroom. Il y a celui qui était avec l'époux était l'épouse. Who was the bridegroom? Qui était l'époux? That was the word. C'était la parole. Amen. Amen. That was the bridegroom. Ça c'était l'époux. Because you have to unite with the word. Parce qu'il t'obligeait unir avec la parole. Because here in this end time. Quand nous écoutons dans ce temps we de la have fin, the bridegroom again. Nous rétablissons l'époux et causons encore. Amen. What is the word of God? C'est-à-dire la parole de Dieu. May God help us. Mais Dieu nous we aide. See here the two virgins. Que Dieu nous aide, nous trouvons les deux vierges. When the voice comes. Quand la voix vient. Behold the bridegroom. Voici l'époux. If you know who is calling, si nous connaissons qui s'en a pu appeler, then you know who is standing there. À ce moment-là, nous connaissons qui s'en a pu appeler. And the wise virgin, et la vieille sage, les vieilles sages, saw William Marion Branham in this day. Il trouve William Marion Branham dans ce jour. He was doing the calling. Il était celui qui t'y a appelé. Amen. Amen. And now the foolish virgin, et les vieilles folles, they had not enough oil. Je pense qu'il y a suffisamment d'huile. They came to the wise. Je t'ai vint vers les vieilles sages. Give us from your oil. Lydia, donne-nous un peu d'huile avec toi. Now see the difference of message. Maintenant, get cette différence message. What did the wise virgin say? Qui va la vieille sage dire? We have only enough for ourselves. Nous n'avons d'huile pour nous-mêmes. We have nothing for you. Nous n'avons rien pour toi. Go to those that sell. Allez vers ceux qui peuvent vendre de l'huile. Now who was those sellers? Qui s'en a-t-il peut vendre de l'huile? It was ministers. C'était un prédicateur. Fallen angels. Qui t'y peut? Fallen angels. Fallen angels. No, fallen angels. Those ministers was fallen angels. Ah, les anges déçus. Amen. Amen.
Because why? Pourquoi? They kept the people away from the true word by their false teaching. Parce qu'ils ont dit God and Jimun éloigné de la véritable de enseignement. And when they went to those people, quand on allait vers ces gens là, they never make it in the rapture. Jamais je pas de l'enlèvement. But the bride went in. Mais l'épouse s'en allait. She went with the bridegroom. Je dis allait vers l'époux. The word of this day. La parole de ce jour. Amen. Amen. I don't know if we can finish this message today. You have 4 or 5 pages to go. Moi pas connais si moi peux finir ce message aujourd'hui, mais la 4-5 pages. You see, I'm just like I said. I'm just like an old T-fort. Moi puis aller pareil comme mon diable. An old T-fort, you have to wind. Et manivelle, ne me dites jamais de manivelle. It takes a long time before it starts. Comment dire, bien le tefort du premier temps va y démarrer. But when a long time runs, it don't stop. Mais quand il commence à aller, il paraît du tout. Amen. You see, because if you are in the word, vous avez trouvé si c'est dans la parole. That is our life. Ça c'est la vie. If you look in the Bible, si tu regardes dans la Bible, Paul was talking for 6 hours. Paul peut prêcher pendant 6 heures. And a man fell out of the window. Et un homme il s'est bien tombé. But he had life in him. Parce qu'il tient la vie dans lui. And she could go to him, pray, and he came back to life. Elle est allée, elle priait pour lui, elle revient à la vie. If we listen, we get life in us. Si nous vivons, nous tient la vie en nous. Oh my, if you fall out of the chair, we can pray for you. Si je t'écoutais, même si je te s'applonçais, je tombais, nous t'appuyais. No harm will come to you. Pas pour aucun mal pour arriver toi. You know we must just sit around the carcass. Nous visages restent tout la carcasse. Where the carcass is? Where the carcass is? Là où se trouve le cadavre. The eagles will be gathered. Là s'assemblent les aigles. Now I can tell many healing stories. Mon cœur raconte beaucoup de témoignages de guérison. For what God have done in my life. Qui Dieu fait dans mon vie. But what is the greatest thing? Mais c'est la plus grande chose. We look to Philip. Nous regardons Philippe. Placed in another country. Il vient être projeté dans un autre taken pays. Taken away from a revival. Des kilomètres d'un réveil. Placed in a desert. Et transporté dans le désert. Amen. And there is a man on a car. Et il y a un homme sur un chariot. And he's reading a scroll. Il peut lire les rouleaux du livre. He had the book roll. Il y a le livre. He had the word. Il y a la parole. He had the message. Il y a le message. Was not enough. Pas suffisant. Philip said, can Philippe you understand dit, what you are est-ce reading? Est-ce que tu me comprends ce que tu peux lire? He said, if I nobody have to tell me. Il dit, je peux la personne pour dire moi. And he jumped on the car. Donc il monte dans le chariot. And he started to reveal the message to the Philippe man. Il commence révèle le message à l'homme. Brother Brian said, Philip was a part of the body. Frère Branham Jeff, Philippe il y a une transformation du corps. And the seed is traveling through the body. Il travaille à travers le corps. And he imparted eternal life to this man. Il donne la vie, transmet la vie à cet homme. That is our task. C'est notre travail aujourd'hui. We must impart eternal life. Nous devons transmettre la vie éternelle. Because the seed is in the body of Christ. Parce que la semence trouve juste dans le corps de Christ. We are living epistles. Nous sommes les épîtres vivantes. It can be read from all men. Qui capables être lus de tous les hommes. When we speak. Quand nous causons, the spoken word is original seed. La parole parlée, la semence originale. Only when we speak to the man. Jusqu'à nous causons à l'homme. It goes in the ears. Il rentre dans les oreilles. It goes in the soul. Il rentre dans l'âme. There's a quickening power in the spoken word. C'est une puissance vivifiante dans la parole. That's the reason Philip had to go there. Philippe Timizel là-bas. Was only 2 men was the meeting. Genesis de Jimun dans sa réunion là. Was the greatest meeting that was ever in the country. C'était la plus grande réunion qui puisse arriver dans le pays. Alléluia. Alléluia. Because this was an elect. Parce qu'il y a un élu. Brother Branham had meetings in America. Frère Branham il y a en Amérique. And you know what happened? Je connais qui est arrivé. That sister came in front, the alcoholic. La sœur alcoolique est venue. You have heard about her? Je n'entends parler de la sœur alcoolique. Amen. Amen. And then when she came in front, et donc quand il vient devant, prayed for her, priez pour lui. Then Brother Branham, after that meeting, après la réunion, Frère Branham, he said to the people, listen. Il dit aux gens, écoutez. I hope you can bear this. I hope you can take this. Il dit, moi, espérez, je suis capable, supporte cela. He said, what God concerns, qui le concerne de Dieu, the meeting is over. Concernant Dieu, la réunion est finie. He said it will still go on. Les bouts continuent. Healings take place. Healings take place. La réunion, la guérison, vous continuez. People come in front. Vous continuez, les gens vous continuent. But what God
Concerns, it is over. Mais concernant Dieu, cela est terminé. It was that one person. C'était cette personne. Le travail de Dieu est terminé et s'est arrêté avec cette personne. You see what God is doing? De trouver qui Dieu peut faire. Don't get nervous. Pas nerveux. You see? I'm glad for the simplicity. Mon reconnaissant de la simplicité du message. Hallelujah. Hallelujah. Matson Benzé was looking for a revival. Roden, réveille. Do you know that? Je connais. And Brother Branham said there is a revival coming to Chicago. Frère Branham dit qu'il y a un réveil qui peut venir dans Chicago. Revival is different than what we think. Réveil, c'est différent de ce que nous pensons. And Brother Branham said yes, there is a revival coming. Frère Branham dit oui, un réveil peut venir. Brother Branham came to Chicago. Frère Branham est venu dans Chicago. He preached. Il prêchait. Two souls came in front. Des âmes sont venues devant. And Matson Benzé said, I've not seen a revival. Branham dit, mais moi pas en trouver un réveil. Brother Branham said, don't you know? Tu m'as trouvé? He said those two persons, that was a revival. Yes, I did, Jimoula. C'était ça le réveil. It was two elect. C'était deux élus. Are you not happy if you're one of the elect? Est-ce qu'ils sont pas heureux qu'ils se fassent partie des élus? For that purpose, the message came. C'est pour cette raison qu'il a le message to take the elect out. Pour retirer les élus. He's here for the elect. Lui ici pour les élus. He's for the elect lady. Lui pour la dame élue. Hallelujah. We need that faith, you see. Nous besoins à la foi là, je trouve. Without that faith, we can never receive that Lord of glory in this temple. Sans à la foi là, tu pas qu'à recevoir le Seigneur dans sa temple. And he has made us his temple. Et il fait de nous une ce temple. Then there is something inside of us. Donc il y a quelque chose à l'intérieur what de nous. What he likes. Qu'il est content. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You know what the problem is this day? Je connais qui problème est là dans sa jour ici. People is humanizing the salvation. Les gens se paient humilier, rendre le salut humain. They turn from the truth. Se paient tourne vers la vérité. That salvation is of the Lord. De dire que la vérité, le salut est du Seigneur. Having cast aside the doctrine of election. Mettant à côté la doctrine de l'élection. If you put the doctrine of election aside. Si nous mettons de côté la doctrine de l'élection. Then you open wide the church door and the fellowship to anyone who subscribe to the tenets and never mind the word. À ce moment-là, nous pouvons grandir les portes de l'Église. Nous pouvons laisser tout le monde rentrer sans faire attention de la parole. That's the reason you can be glad if his faith is in you. C'est pour ça que tu es capable d'être heureux si sont la foi dans toi. And if his faith in you, you can never miss it. Et si sont la foi dans toi, jamais tu ne peux manquer. And you must know for yourself. Tu ne le connais pas toi-même. Your pastor cannot tell it. Ton pasteur pas qu'à dire toi. You must know it yourself. Toi-même tu connais. It is an individual case. C'est un cas individuel. Between you and Elohim. Entre toi et Elohim. Hallelujah. Hallelujah. That's the reason that he had to be here to give a perfect faith. C'est pour cela qu'il est venu pour donner toi la foi parfaite. Amen. God has to bring a perfect faith here. Bon Dieu, il donne toi la foi parfaite. That's the reason he brings a prophet. C'est la raison qui fait qu'il amène un prophète. He said he is here and he does these things. Lydia, il est ici et il fait cette chose. To create a perfect faith. Pour créer une foi parfaite. I feel him. Je le ressens. I know he's here now. Je sais qu'il est là maintenant. I know that his spirit is here. Je sais que son esprit est là. I know that he knows all things. Je sais qu'il sait toutes choses. And I know he wants to do something. Et je sais qu'il veut faire quelque chose. He's been doing something. Il est en train de faire quelque chose. To create this perfection of faith in the people. Pour créer sa foi parfaite dans les gens. Amen. Now what is God doing? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? He gives those great signs and miracles. Il donne tous ces signes et ces miracles. And then he comes to the simple things. Après, il vient vers les choses simples. He speaks the word. Il parle la parole. And the people see it coming to pass. Et les gens voient l'accomplissement. He speaks to the storm. Les causes à la tempête. He speaks to the dead fish. Les causes au poisson qui mord. He speaks to his wife with a tumor. Les causes à sa femme qui avait un tumeur. He spoke five things. Il prononce cinq qui changent. Grace, hallelujah. La grâce. Just to show that there is more than a man here. Juste pour montrer qu'il y a plus qu'un homme ici. This was another Adam on earth.
This was another Adam on earth. C'était un autre Adam sur la terre. A minor god. Un dieu amateur. Hallelujah. Hallelujah. When that perfection comes in, quand cette perfection vient, they take that dimension of this thing here over. Il prend la dimension de ces choses ici et il enlève. When Brother Branham walked up to a bull, quand Frère Branham marche à la piscine, he was a killer bull. Vers le taureau maîtrier. And you know, the bull make ready. Le taureau. Tu peux être prêt pour attaquer. To kill the prophet. Pour tuer le prophète. And Brother Branham, he tried to take his gun, but it was in the car. Branham essaye de prendre son fusil, mais fusil est dans l'auto. And now something strange happened. Quelque chose d'étrange est arrivé là. Perfection comes in. La perfection il descend. Another dimension unfolds. Une nouvelle dimension est venue. He started to speak to the bull. Il commence cause avec sa taureau maîtrier là. And he said, Mr. Bull. Il dit, Monsieur Taureau. I'm sorry, I broke your house. Moi, je suis tellement désolé, mon divine dérange de l'espace. Did I break your house? Est-ce qu'il me dérange toi? It's just a fence. Tu as juste une barrière là. But it was the house of the bull. C'était l'espace du taureau, sa maison. And he spoke to him. Donc une cause éclair. So now, Mr. Bull. Donc il dit, Monsieur Taureau. Have to go to that man. They have to pray. Moi, bizarre, à prier pour cet homme là-bas. Oh, Creator told me. Le Créateur, il me dit moi cela. And you know the bull spoke back. Et je connais le taureau aussi causé. It's okay, prophet. Il dit, prophète, c'est ok, c'est bien. And he lay down. L'improcéné. He just lay down. L'improcéné. You see what happened there? Le trouver qu'il arrivait? It was just placed there in Eden back. Je t'y retourne dans Eden. Amen. Amen. Several of those things happen. Plusieurs de ces choses inarrivées. God is showing something. Bon Dieu veut montrer nous quelque chose. Only perfection can take that over. Seulement la perfection quand on enlève la dimension d'ici bas. And we need perfection. Et nous avons besoin de la perfection. To get away from our natural thinking. Pour être enlevé de nos pensées naturelles. That's the reason that God has brought a perfect word. C'est pour cette raison que bon Dieu a envoyé une parole qui est parfaite. A perfect message. Un message parfait. After the opening of the seals. Après l'ouverture des sceaux. The mysteries are revealed. Les mystères sont révélés. Christ is revealed. Christ est révélé. He is here. Il est ici. He's not in heaven. Il n'est plus dans le ciel. He is here. Il est là. How do you know? Comment tu connais? Because he lives in me. Parce qu'il vit en moi. He lives in you. Il vit en toi. And he's here in the form of his word. Et il est là dans la forme de sa parole. And if we believe that, et si tu crois cela, then we all together can worship the Father. Donc tous ensemble nous pourrons adorer le Père. We can worship the Father around the throne. Nous pourrons adorer le Père autour du trône. Where is his throne? Où est son trône? Not in the sky. Pas dans le ciel. Not in Jerusalem. Pas dans Jérusalem. He's in the bride. Il est dans l'épouse. Who is bride here? Qui c'est l'épouse ici? Who is bride? Où est l'épouse? Can I see your hand? Est-ce qu'il vous garde tous de la main? Then you can worship him. Donc je cave à dos lui. In spirit and truth. En esprit en vérité. More than what Isaiah saw is here. Plus qu'est-ce qu'Isaïe trouvait ici. More than Salomon is here. Plus que Salomon. Plus que Salomon ici. Elohim is here. Elohim est là. Melchizedek came down. Melchizedek descend. The great high priest. Le grand prêtre. And we must meet that person. Et nous devons rencontrer cette personne. Did you meet him? Est-ce qu'il t'a rencontré lui? He's talking peace to you. Il prononce la paix à toi. He tells you everything is all right. Il te dit que tout va bien. He only tells it to the bride. Il fait cela uniquement à l'épouse. Maybe tomorrow I will end this message. Peut-être demain on vous termine ce message. I don't know what God wants. Je ne connais pas qui Dieu l'est. But you know when I go in, I can never stop. Donc je connais quand vous rentrez, mon bacal arrêté. Because this is life for me. Parce que c'est la vie à l'intérieur de moi. Many times I go very sick to the pulpit. Beaucoup de fois, je tombe malade à la chair. I have to hold myself. Je me tiens moi-même. But when I preach, mais quand je prêche, there is a power coming. Il y a la puissance qui descend. And it takes me over. Et il prend le dessus. And I cannot stop. Et mon bacal arrêté. Why is quickening power? Parce que c'est la puissance vivifiante. We have seen quickening power nous coming. Nous recevons la puissance vivifiante. He is here with us. Il est ici avec nous. He that is in us is more than that is in the world. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. We have the answer on the devil's question. Nous avons la réponse aux questions du diable. That's the reason he's howling too much to you. C'est pour cette raison qu'il dérange toi comme ça. He lets you doubt on the word of God. Lui fait toi doute de la parole de Dieu. Knows your inheritance. Parce qu'il lui fait toi
knows where you come from. Election is made known to us. Election is made known. L'élection est révélée à nous. Predestination is made known. La prédestination nous a été révélée. I didn't receive it from my pastor. Je ne peux pas le recevoir de mon pasteur. I was preaching for a year a certain subject in the church. Moi, tu m'es prêché sur un seul sujet pendant un an dans l'église. Then brother Sidney Jackson from South Africa came and he preached. Et donc frère Sidney Jackson de l'Afrique du Sud. And on the end of the meeting, et à la fin de la réunion, the deacon's wife came to me. La femme du Jack said, "My, what a revelation!" Elle dit, oh là là, quelle révélation! I said, "What?" And she explained what she heard. Moi, quoi? Là, il m'explique moi qu'il inattendait. I said, "Sister." Moi, dis, sœur. You go back to the tapes. Tu retournes vers les cassettes. The whole year I preached on that. Pendant toute l'année, mon prêche là. But when it pleased God. Mais quand cela fait plaisir à Dieu. To reveal His Son. Pour révéler son fils to you, à toi, it changes you. Il change toi. Amen. Amen. This shows you no pastor can give you the revelation. Cela montre qu'un pasteur pas qu'à donner toi révélation. He can preach from the word of God. Il peut prêcher de la parole de Dieu. But it still needs Elohim, the Almighty One. Mais besoin Elohim, le Tout Puissant. To come to each and everyone. Pour tous nous tous ici. That's the reason the bride loves one another. C'est pour ça qu'il épouse nous nous aimons les uns les autres. I just a little silent for a moment. That is the reason the bride love one another. C'est la raison pourquoi l'épouse ils s'aiment les uns les autres. We talk about the bride. Nous parlons de l'épouse. They love one another. Nous nous aimons les uns les autres. Because they have the same father. Parce que nous avons le même père. Hallelujah. Hallelujah. We have the same father. Nous avons le même père. We came from glory. Nous venons de la gloire. And we go back to glory. Et nous allons de nouveau vers la gloire. When I am tested by sin, quand je suis tenté par le péché, then I go back where I come from. À ce moment-là, je retourne d'où je viens. Testing by sin, tenté par le péché, is you will be tested with every kind of religion. Tu seras tenté, testé par toutes sortes every de religions. Every kind of doctrine, toutes sortes de doctrines. But we are more than overcomers. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Because we have received the right doctrine. Parce que nous avons reçu la doctrine correcte. Where did I receive the right doctrine? Où est-ce que j'ai reçu la bonne doctrine? Here. Ici. We are from eternity. Nous sommes de l'éternité. From eternity anointed. De loi de l'éternité. We was in him. Nous étions en lui. Amen. We was always in him. Nous étions toujours en lui. Because you can have never have eternal life. Vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. If you was not in him. Si vous n'étiez pas en lui. You don't receive eternal life on a certain day. Vous ne recevez pas la vie éternelle un certain jour. You was always eternal. Vous avez toujours été éternel. Amen. This body is a body of time. Ce corps c'est un corps de temps. There's a dying body. C'est un corps qui est mort. With a dying spirit. Un esprit qui est mort. But where the seed of God on the inside. Mais à l'intérieur il y a la semence de Dieu. And when the Son of Righteousness came. Mais quand le soleil se lève de nouveau. And the Son of Man was speaking. Et le Fils de l'homme causait. The light struck the seed. La lumière il touche cette semence. And there was a resurrection in you. Et une résurrection est créée. You recognize where you came from. De le reconnaître que t'es sorti. Like the lost son. Pareil comme le fils prodigue. Father, I'm coming home. Père, je retourne à la maison. Hallelujah. Hallelujah. Are you not happy? Est-ce qu'il te pas content? That we have a home to go to. Qui te donne la case de retourner? Mine home is not Mauritius. Moi la case c'est pas Maurice. My grandfather was here. Mon grand papa était ici. I didn't come to look for him. Moi pas venu ici. Holland is not my home. Holland, c'est pas mon case. Hey brother, you live there. Oh frère, mais tu restes là-bas. Right, I live there. Oui, moi reste là-bas. It's not my home. Mais c'est pas mon case. My home is in glory. Mon case est dans la gloire. My home is not this. Mon case c'est pas ça. I will get a new body. Bon, vous gagnez un nouvel écho. And from this old body. Et de ça l'écho là. Nothing will come out of the grave. Non, il est pas vous sort du tombeau. What are you saying, brother? Qui te dit, frère? This body will be changed. Ça l'écho là pour changer. If something from this old body come out of the grave, si quelque chose de ça vient l'écho là saute du tombeau, it is still sinful. Il est toujours plein de péchés. Read it in the seals. Lisez ça dans les sceaux. Amen. Amen. Does God do everything new on you? Parce qu'il bon Dieu faire tout nouveau en toi. Every atom he put in the right order. Chaque atome, il met lui dans sa place. And when he places all the atoms in the right order. Quand il place chaque atome dans sa place. He takes your picture.
Il prend ton photo. He said, you look just exact the way I want. Lydia, te ressembler juste comme on a envie. You don't find two of me. Penade comme moi. God could only have one. Bon Dieu n'a juste un comme moi. He said, that's all I can bear from him. Lydia, juste un seul mot qu'à supporter. Amen. And he made one of you. Amen. And we're all different. Et nous tous, nous différents. Amen. I'm glad. Et moi reconnaissant. God is a God of variety. Dieu est un Dieu de variété. This one is brown. This is yellow. Ça this one is green. Jaune, les gris, les this has blue eyes. Les bleu, brown les eyes. Bleu, marron, les this one marron. Has red hair. Another c'est green vert, hair. I don't know. Vert, vert. God is a God of variety. Bon Dieu de variété. He made you the way you have to be. Il fait toi la façon qui tu dois être. Be happy with what he thinks about you. Content par amen. Amen. He said we see him material signs. Nous trouvons les signes matériels. Scriptural signs. Les signes scripturaires. Perfectly. Parfaitement. We saw this in the ministry of Brother Branham. Nous trouvons le ministère de Frère Branham. Why did God do it? Qui fait Dieu le faire lui? To bring to you a perfect faith. Pour amener en toi une foi parfaite. For a perfect rapture. Pour un enlèvement parfait. Amen. We have seen this prophet. Nous trouvons ce prophète. We have seen perfect words revealed. Nous trouvons la parole parfaite révélée. And we have the perfect word here this day. Et nous avons la parole parfaite ici aujourd'hui. Everything is revealed what we need to know. Tout est révélé. Tout ce qui nous besoin connaît est révélé. The last revelation. La dernière révélation. Was Christ has to be revealed to us. Christ devait être révélé à nous. Read Revelation 10. Apocalypse 10. Amen. Nous lis Apocalypse 10. Are you happy? Est-ce qu'ils sont heureux? Amen. If you have to look to me, you don't see much. Si vous disent qu'ils vers moi, je pas trop beaucoup. But if you listen to the word, mais si vous écoutez la parole, there's something more. Il y a plus que cela. There's eternal life. Cela change la vie. But in the days of the voice of the seventh angel, Apocalypse 10 verset 7, mais au jour de la voix du septième ange, when he shall begin to sound, quand il sonnerait de la trompette, the mystery of God should be finished. Le mystère de Dieu serait terminé. As he had declared to his servants the prophets. Comme il annonçait ses serviteurs les prophètes. The greatest revelation is here. La plus grande révélation est ici. Christ is revealed to the church. Christ révélé à l'église. All the mysteries are revealed. Toutes les mystères sont révélés. We know how the change will come. Nous connaissons comment le changement peut venir. We know where we can find the rapture. Nous connaissons comment nous vous trouvons l'enlèvement. We find it in the message. Nous trouvons dans le message. And we know what the resurrection and the rapture is. Nous savons c'est quoi la résurrection. That's dans l'enlèvement. C'est Christ. And where is Christ? Mais qu'est-ce que Christ? He's in the heart of the bride. Où est Christ? Dans les cœurs du croyant. When the time of the change comes, you go. Quand le temps du changement vient, tu allais. Do you know Jesus supposed to be 3 days and nights in the grave? Tu connais que Jésus-Christ supposait 3 jours dans la terre, dans le tombeau? Brother Branham said he could come out the first day already. Il aurait pu sortir même le premier jour. But the prophet said. Mais le prophète dit. That he will be in the grave 3 days and nights like Jonah. Il est resté 3 jours, 3 nuits dans le tombeau comme Jonas. That was the word of the Lord. C'était la parole du Seigneur. But if the voice was spoken, he could come out the same day. Quand la voix causait, il a sorti le premier jour. Now God has spoken the rapture. Dieu il prononce l'enlèvement. When the time comes. Quand le temps viendra. The change comes. Le changement viendra. You don't have to do anything. T'as pas besoin de faire rien. Don't try to be more spiritual. T'as pas essayé de devenir plus spirituel. Don't try to be more religious. Pas essayé de devenir plus religieux. Just believe the message. Juste quoi le message. Walk with God. Marche avec Dieu. Enoch walked with God, is that so? Enoch, il marche avec Dieu. He walked for 365 years. Il marche 365 jours. He had a revelation. Il a reçu une révélation. Is that so? Et n'est-ce pas? After his son Methuselah. Après son fils Methuselah. And Methuselah means when he dies, the flood comes. Methuselah veut dire quand il meurt, le lion de son ami. You see, but Enoch was walking with God. Donc, quand Enoch tu peux marcher avec bon Dieu. The only way the people could see the message of Enoch was the life of him. La seule manière qu'il allait se trouver le message, c'était la vie de Enoch. Because the hidden word came to him. Parce que la parole cachée est venue vers lui. And then through his life it was manifested. Mais à travers son vie, cette parole était manifestée. Amen. And one day he just had so much faith. Un jour, il avait tellement la foi. He walked away in heaven. Il marche vers le ciel. And Brother Branham said, "Don't you want to walk with him?" Frère Branham dit, est-ce qu'il te parle les morts avec lui?
The prophet asked this. Le bonhomme me pose la question. Don't you want to work with him? Est-ce que tu parles mal avec lui? Who was talking? Qui s'en avait causé? The voice of Enoch in the prophet. C'est la voix d'Enoch dans le prophète. From the revelation of the word in your soul. De la révélation de la parole de ton âme. You walk with him. Tu marches avec lui. You walk with Elohim. Tu marches avec Elohim. And you are growing daily by the word of God. Tu grandis jour en jour avec la parole de Dieu. It's a progressive revelation. C'est une révélation progressive. Just let him hold your hand. Laisse-lui trapper la main. Walk with this word. Marche avec cette parole. Never give up. Jamais renoncer. You know when I was in the world. Tu connais quand j'étais dans le monde. And then I was stopped. I will take maybe the next et part après, tomorrow. Moi pour arrêter, moi pour continuer demain. When I was in the world, the devil never told me I was lost. Quand moi j'étais dans le monde, le diable jamais m'a jamais perdu. But when I became a Christian, quand moi devine un chrétien, he said you are lost. Il jamais m'a perdu. As a stinking liar. Vous j'allais te mentir. I said you didn't tell it when I was in the world. Vous j'allais jamais ton jamais m'a perdu quand moi j'étais dans le monde. You never told me I was lost. Jamais ton jamais m'a perdu. But now I'm saved. Maintenant moi sauvé. And you come to tell me I'm lost. Ce jamais m'a perdu. Said get off of here. Goodbye. Sortez là. Bye bye. Amen. Amen. You know why the devil was doing that? Tu connais qui vient le diable faire ça? You are an attribute of God. Parce que toi un attribut de Dieu. He's trying to let you doubt on what is on the inside. Lui fais-toi douter qui est à l'intérieur de toi, qui te Never est en toi. Doubt the word. Jamais doute la parole. Even if it is so dark. Même si il fait tellement noir. Even if you cannot see before your eyes. Même si tu ne pas trouver devant toi. Brother Branham said the stabilizers are there. Frère Branham dit c'est là maintenant qui tout va bien. He said we go to fearful waves. Tu pas beaucoup. He said, but we're nearing the shore. Maintenant nous puissions arriver à la rive. Amen. Are you nearing the shore? Et tu dois arriver à la rive. Let us stand on our feet. Laisse-nous mettre-nous debout. And if something has touched your heart, et si quelque chose est touché dans le cœur, if you're another believer, si tu es un croyant, si tu es un croyant, better give your life right to him now. Si tu es un croyant, donne-toi la vie au Seigneur maintenant. If you're a sinner, si tu es un pécheur, ask God to help you in your life. Demande Dieu aide-toi dans ta vie. Because he is coming soon to take his bride away. Parce qu'il vient bientôt pour prendre son épouse. He's not coming to your church, the denomination. Il pas venir vers toi l'église, la dénomination. He is coming to you if you take the word. Il vient vers toi si tu acceptes la parole. Because only the word will go in the rapture. Parce que seulement la parole parle dans l'enlèvement. And if you don't take the word in your soul, et si tu ne prends pas la parole dans ton âme, you will stay here. Tu pourras ici. And the rest is gone. Et le reste pour aller. Now every eye is closed. Les yeux fermés maintenant. If there's someone here, there's not a believer. Si quelqu'un ici qui n'est pas un croyant. I want to give his life to him. Et qui a envie de donner la vie, le Seigneur. Just lift up your hand. Juste lève la main. And the elder of the church looks so that he can deal with the people maybe. Et le reste maintenant à l'église est capable de prier. Just lift up your hand if you want to be included in prayer. Juste lève la main si tu veux que nous prions pour toi. Hallelujah. Hallelujah. If God is calling you through this message today to your soul, give him answer. Si bon Dieu peut appeler toi dans ce message aujourd'hui, mais cause avec ton âme, lève-toi la main. It might be the last time for you. C'est peut-être la dernière fois pour toi. Amen. Just raise up your hand if you want to be included. Juste lève-toi la main si tu veux être inclus dans la prière. Hallelujah. Father. Père. You see those hands. Tu trouves ces mains. Lord, like Philip, Lord spoke to the Mormon. Seigneur, remplis-nous pendant qu'il nous le causait. The words of eternal life came in that soul. La parole de l'éternité mine dans sa lame là. And he said, "What hinders me to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ?" Et qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus Christ? If you have accepted him. Si tu viens accepter lui savior, comme ton sauveur, you take the word to your soul, il prend la parole de ton âme. And there is a baptism in water waiting. Et le baptême t'attend ce moment-là. Not a baptism in titles, pas le baptême dans les titres. But in the name of the Lord Jesus mais le baptême Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Father, will you bless these people? Père, puisses-tu bénir ces gens. I thank you for the meeting, Lord. Je te remercie pour la réunion. And the honesty of the hearts that they lifted up their hands. Bénis les cœurs de ceux qui lèvent la main. And Lord, for those that are here, pour ceux qui sont là, Seigneur. Maybe another need. Peut-être qu'ils ont un besoin pour ceux qui là sont. The same yesterday, today, and forever. Le Seigneur le même hier, aujourd'hui, éternellement. I was years ago in the church of Harold Beckett. Quelques années de cela dans l'église de Frère Beckett. And the Lord put on my heart to do a mass prayer. Et le Seigneur met dans mon cœur, moi, je prononce une prière. And there was a man there. He had 3 months to live. Et il y a un homme dans la salle qui résiste 3 mois pour lui vivre. We didn't touch him.
Nous pas tous lui. But under the prayer, the Lord touched him. Mais pendant qu'il nous priait, le Seigneur touche lui. And so far as I know, he's still living this day. Aussi longtemps qu'il me connaît, il est encore vivant aujourd'hui. Still testifying about the Lord. Il est encore témoin le Seigneur. Now, if there are sick here, can I see your hands? S'il y a une maladie ici, lève ta main. Si quelqu'un est malade, lève la main. Now, stand closer to one another. Reste près de tout un chacun. And lay your hand to somebody near to you. Pose la main vers quelqu'un qui est près de toi. He is the great emancipator. Et c'est lui. He is the great healer. Celui le grand émancipateur. Just believe for your healing. Le grand guérisseur. He is the same yesterday, today, and forever. C'est le grand guérisseur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Father, we have laid hands on one another here. Père, nous posons la main sur chacun d'entre nous. You are the word, Lord. C'est toi le Seigneur. You can be touched, Father. Tu es capable de toucher, Seigneur. The high priest is in our midst. Tu es le grand prêtre au milieu de nous. May your glory shine upon of them. Que de la gloire les brille aux autres. Alors qu'il nous pose la main aux chacun. Heal the sick, Lord. Guéris les malades. Set them free, Father. Libère-les. In the name of the Lord Jesus. Dans le nom du Seigneur Jésus. And we thank you in Jesus' name. Nous te remercions. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Maybe the brother can take over. Le frère maintenant peut prendre la main. Thank you for your patience with me. Merci pour ta patience. We hope to see you back tomorrow. Nous espérons vous revoir demain. Maybe I take the rest of the sermon. Je vais continuer le reste de la prédication. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. And I thank you for everything what you did for me to pray. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi et de me permettre de prêcher. God bless you. Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. I have a maker. Dieu bénisse. Alléluia. Si le monde te reprend. Amen. Nous croyons que Dieu bénit pour la parole ce soir. Hein, c'était un regard autour de la parole et nous croyons Dieu encore et demain quelque chose pour nous. Prends le chant en l'adorant, nous allons partir. C'est encore tôt. Amen. C'est bien. Après la réunion, il faut nous saluer dehors et avoir un moment de communion. Mais si le monde te reprend. Si le monde te reprend et ton or et ton argent. Si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli? Et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oh oui, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux. Et si ta jeunesse, sans musique, si ta jeunesse un jour t'abandonne sans retour. Si tu vas courbé par l'âge et sans vigueur, jusqu'au bout Jésus fidèle te gardera sous son aile.
Abandonne tes fardeaux à ton... Oh oui, ensemble. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton... Oh oui, laisse-les. Alléluia. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Depuis le jour, nous allons partir, si bien de chanter, amen. Depuis le jour où libéré. Depuis le jour où libéré. De son péché, de sa douleur. Mon âme à Dieu s'est consacrée. Le ciel est entré dans mon cœur. Oui, c'est le ciel que Jésus donne aux rachetés de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne dès ici-bas et pour toujours. Elle est bien haute, notre patrie, où Dieu réunit ses enfants. Mais si Jésus est notre vie, le ciel est à nous maintenant. Oui, c'est le ciel que Jésus donne aux rachetés de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne dès ici-bas et pour toujours. Que notre abri soit dans ce monde, l'humble chaumière ou le palais. Si dans nos cœurs sa grâce abonde, tout est bonheur, parfaite paix. Oh oui! Oui, c'est le ciel que Jésus donne aux rachetés de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne dès ici-bas et pour toujours. Quand tout lieu sur la terre entière, sur l'océan comme au désert, ceux qui marchent à sa lumière redisent d'un saint concert. Oui, c'est le ciel que Jésus donne aux rachetés de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne dès ici-bas et pour tout. Oui, c'est le ciel. Oui, c'est le ciel que Jésus donne aux rachetés de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne dès ici-bas et pour toujours. Alléluia. Seigneur, merci ce soir. Que ton nom soit béni, frère, priez pour nous. Avant de partir, n'oubliez pas, demain, on se revoit là, et bien toujours autour de la parole, toujours bien autour du carcasse à 10h, le frère Jose. Alléluia, Seigneur. Sous les ailes du colombe blanc ce soir, ramène chacun de nous à la maison, Seigneur. Merci pour la parole qui vient d'être prêchée. C'est une semence qui tombe dans la terre.
dans nos cœurs. Et cela, Seigneur, il ne pourra monter jamais vers toi sans effet. Car c'est une parole qui est sortie de ta bouche. Et merci pour ta sainte présence. Que cette présence soit avec nous. Oui, Seigneur, pour nous ramener encore de nouveau. S'il y a un lendemain, Seigneur, afin que nous puissions vraiment manger, manger et manger, Seigneur, et que la parole faite chair habite en nous, parmi nous, au milieu de nous, Père. Oh, nous te louons ce soir, nous te glorifions, Père, nous t'exaltons, parce que tu es là, Seigneur. Tu as brisé les chaînes de la méchanceté, tu as ouvert nos yeux pour nous contempler de la gloire. Ta gloire est au milieu de nous. Oui, tu es digne de louange, tu es digne d'honneur, alléluia. Tu es digne d'être adoré, l'agneau de Dieu. Merci pour ce service, merci pour ta présence. Tes anges sont là, Seigneur. Oh, nous sommes devant le trône de ta majesté. Oh, alléluia. Merci, grand Dieu d'Israël. Merci, grand Dieu, le Dieu de William Branham. Oh, merci, Seigneur. Loué soit ton nom. Dans le nom de Jésus, nous te remercions, Père. Amen, amen. Dieu bénisse. Nous revenons ainsi à la présence de Dieu. Nous allons sortir avec ce chant. Nous reprenons ce chant. Lord, we come to you for worship. Après quoi, n'oubliez pas, il y a dehors des brochures et des bandes du prophète, des chants qui sont en vente. Mais le prendre, mais prends ce chant et les diacres vont vous faire sortir en ordre. Lord, we come. Lord, we come to you in worship. No matter what the circumstance, no matter what the situation, we will lift up holy hands. El Hela, Elohim, how we long to worship you. Ela, Elohim, how we long to worship you. Lord, you grant right of this last day. I'm seeking no sensation. Just let me get out of the way. El Hela, El